Très bien. Alors, je vais donc. On m'a demandé il y a quelques jours de présider la soutenance de la thèse de Lucille Boissonnin. Je crois que j'ai dit le nom. Donc, il se passe dans des conditions un peu spéciales à cause de la situation sanitaire qui concerne à la fois la France et l'Italie, et d'autres pays, bien entendu. Donc, l'organisation de cette soutenance. On va laisser la parole d'abord à Lucie Boissonnin pendant 20 minutes, 25 minutes, si j'ai bien compris. Et puis interviendront les différents membres du jury. Donc, je voulais remercier les membres du jury qui sont présents dans la salle. Et un qui voulait Rory Grazia et moi, il n'en s'est collègue italien, et non sono qua per noi, mais non sono qua con la videoconferenza, et c'est un peu lo stesso che mi de la thèse et sera la thèse. La part est de Romain, Ian Coste et Anke Lamé, je vais vivre sur le monde. Donc, un ordre de déroulement de la soutenance a été défini. On va d'abord donner la parole, après l'intervention de Lucie, aux deux directeurs de thèse. Donc, Ian Coste, qui est professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, et donc à l'Université Grenoble-Alpes. Romain Lagarce, donc qui est un conseiller d'architecte, et HDR. On va donner ensuite la parole à Romain Lagarce, qui est donc aménageur, je n'aime pas comme dit qu'il est géographe, aussi HDR. Et puis, on donnera la parole aux deux rapporteurs, d'abord David Campani, puis Alessia Debiase. Et interviendront ensuite les autres membres du jury, Vincent Véchamp, Andrea Pane, et je termine, donc, en tant que président, donc moi je suis Gilles Novari. Donc l'idée, c'est d'avoir peut-être des interventions qui ne soient pas trop longues, si on mettait chacun un quart d'heure, ce serait bien, ça permettrait la discussion. Peut-être que tu peux répondre après chaque intervention, et si tu as des réponse qui te reste au fond de la gorge, comme tu ne l'as pas dit sur le moment, on te laissera un petit moment pour que tu puisses dire tout ce que tu as sur le cœur et défendre ton sujet. Voilà. Est-ce qu'on peut juste le poser en son masque? Oui, si vous êtes d'accord, on peut. Bien sûr, on fait des conditions. Voilà. Donc, pour terminer, donc, je ne sais pas comment on va faire avec les moyens visuels, mais l'idée, c'est quand même qu'on ait une délibération après la discussion de la thèse, de la thèse. Donc, on vous demandera de vous retirer. Pour les le collègue italien, on a deux choses à faire. On doit décider d'attribuer ou pas la thèse. Et se mettre d'accord sur une pièce qui est très importante en France, qui s'appelle le rapport de soutenance, qui est l'endroit où on évalue le travail de la doctorante, ou de la future doctorante, puisque tu n'es pas encore doctorante. Voilà, donc nous te laissons la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. À distance aussi, ici aussi, c'est bon? Je vais faire un. Oui, oui. Ok. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je souhaite remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, ici ou à distance, en particulier les membres du jury qui ont accepté d'évaluer mon travail et d'en discuter aujourd'hui. Et je remercie Gilles Novarina d'avoir accepté d'être le président du jury. Ma thèse porte sur la réhabilitation du patrimoine bâti et à travers l'analyse du rôle du projet d'architecture dans la construction du développement territorial. Et j'ai étudié des terrains qui se situaient en France et en Italie. C'est une thèse que j'ai préparée au sein du laboratoire culture constructive, de l'équipe culture constructive, dans l'unité de recherche AECC, financée par le LABEX Architecture, Environnement et Culture Constructive, et pour l'IDEX de l'Université Grenoble-Alpes pour les déplacements sur le terrain. Et j'ai été suivie par Anne Coste et Romain Lagarce. Donc voici le plan de présentation d'aujourd'hui. Donc il y a deux points sur lesquels je reviendrai plus particulièrement. Ce sera l'état de l'art, avec la complémentarité des deux écoles de pensée qui m'ont permis de construire mon raisonnement. Et dans un deuxième temps, les résultats qui seront commentés aussi avec le recul que j'ai pu prendre depuis le rendu du manuscrit.
En guise d'introduction, je vais revenir sur l'origine et la construction de mon sujet de thèse. Je suis repartie du constat de la persistance des inégalités territoriales. Si on note un regain d'intérêt pour les territoires ruraux depuis les années 70-80, toutes les ruralités n'en ont pas bénéficié. Certains territoires peinent à retenir les activités économiques et la population, donc une partie de ces territoires connaît encore le dépeuplement. C'est un phénomène qui concerne l'Europe tout entière et donc par conséquent la France et l'Italie. Il semblerait donc que la question du développement elle vienne se poser à nouveau. Alors qu'on la réservait pour les pays du Sud, il se trouve que les inégalités sociales et spatiales que pose la mondialisation viennent aujourd'hui rebattre les cartes, au Nord également, au début donc du XXIe siècle. Le terme de développement, il est d'ailleurs controversé. Plusieurs auteurs proposent même de s'en détacher complètement, comme Gilbert Rist ou Serge Latouche, mais d'autres travaux, sur lesquels je me suis davantage appuyée, cherchent plutôt des alternatives, de nouvelles approches. En tout cas, on assiste à une prise de conscience que la croissance de l'économie, elle ne favorise plus automatiquement la croissance du bien-être de la population et qu'il faut donc agir différemment. Et la question que je me suis posée face à ces constats, c'est finalement, est-ce que moi, en tant qu'architecte, je peux faire quelque chose pour aider des territoires à se développer? Ou si je reformule, est-ce que l'architecte dispose d'outils et de ressources pour accompagner des acteurs dans une recherche de meilleures conditions de vie et de travail dans un territoire? C'est en plongeant dans la lecture du projet local que j'ai commencé à trouver, sinon des éléments de réponse, au moins des pistes de réflexion. Alberto Magnaghi, qui est architecte urbaniste, nous parle de développement, de territoire, de patrimoine territoriaux et de communautés. Alors que souvent, j'avais constaté que les architectes français parlaient peu du territoire, ou seulement pour désigner cette grande zone un peu inconnue qui entoure la ville. En France, il existe bien sûr le réseau RPS, hein, Espace Rural et Projet Spatial, dont les différents ouvrages collectifs ont pu alimenter mes réflexions. Mais c'est plutôt du côté des géographes et des sciences territoriales que j'ai trouvé ce que je recherchais plutôt en termes d'apport théorique. Donc j'ai construit mon état de l'art sur les questions de développement en confrontant deux écoles de pensée, l'école territorialiste italienne et les sciences territoriales françaises. Elles théorisent toutes deux de nouveaux modes de développement, qui sont déjà en acte, mais elles ne les observent pas au même niveau. Les sciences territoriales françaises, elles observent l'action publique et analysent ces mutations. C'est le développement territorial qui est déjà à l'œuvre dans les collectivités ou dans d'autres institutions, comme les parcs naturels régionaux. Tandis que l'école territorialiste italienne observe davantage ce qui se passe hors de l'action publique, là où justement émergent des tentatives d'auto-organisation par des habitants, accompagnés parfois par des élus locaux, pour répondre à des besoins auxquels les institutions, en particulier l'État, peinent à répondre. Et l'école territorialiste italienne propose une vision qui est prospective, c'est le développement local autosoutenable qui nécessiterait une transformation profonde des institutions. Donc ces différences, elles peuvent s'expliquer par le fait que l'ingénierie territoriale est quelque chose de très développé en France, jusqu'à constituer ce qu'on appelle souvent le millefeuille territorial, alors qu'en Italie, le faible déploiement de l'ingénierie territoriale explique que les tentatives de développement se situent plutôt en dehors des cadres, en dehors du système. Ce qui est intéressant, c'est de constater que ces nouveaux modes de développement, je vais y arriver, bien qu'ils n'émergent pas des mêmes sphères, s'articulent autour de grands principes communs. D'abord, leur économie se construit à partir de ressources qui ne s'exploitent pas, mais qui s'activent. Ce sont donc des éléments déjà là, laissés en héritage par les générations précédentes, du patrimoine territorial qui va être réactualisé pour répondre à de nouveaux besoins. Ça peut être une tradition constructive ou agricole, un bâti abandonné, un produit du terroir et les savoir-faire qui l'entourent, par exemple. Et le deuxième point, c'est que le développement local autosoutenable, comme le développement territorial, ont besoin de l'activation des habitants, d'actions collectives, afin de garantir la définition et la mise en œuvre d'un projet de territoire qui soit réellement partagé, et par la participation d'acteurs aux profils variés. Cette participation, ce n'est pas seulement que les citoyens soient d'accord avec le projet politique qui est proposé, mais c'est que les citoyens contribuent, enfin chacun contribue par ses actions quotidiennes à la réalisation d'objectifs partagés.
C'est le terme de développement territorial que j'ai choisi, que j'ai retenu dans la suite de la, dans la thèse, pour désigner ce nouveau mode de développement qui se différencie des tentatives précédentes parce qu'il n'est pas, il ne recherche pas l'accumulation des richesses, mais recherche plutôt un meilleur vivre ensemble dans le territoire où chacun peut contribuer selon ses compétences et ainsi se sentir et se rendre utile pour le collectif. Pour construire ma question de recherche, j'ai donc décidé de me placer dans le contexte des ruralités qui ont des difficultés pour enclencher des processus de développement pérennes et qui recherchent de nouvelles solutions. Et je me suis demandé ce que l'architecture comme pratique pouvait apporter à cette situation. C'est la dimension patrimoniale des ressources qui m'est apparue comme une entrée possible, notamment à travers le patrimoine bâti. D'abord parce que le patrimoine, comme le montrent plusieurs auteurs, Maria Gravary-Barbas, Jean-Louis Tournator, c'est un moyen pour des collectifs d'exister, de faire entendre leur voix. Le patrimoine suscite l'activation et rapproche des acteurs qui se découvrent des intérêts communs. Ensuite, le patrimoine peut faire l'objet d'un projet d'architecture qui est déjà un temps d'action collective et donc ça peut peut-être favoriser la coopération des acteurs en vue d'atteindre les objectifs partagés. L'hypothèse, je l'ai plutôt construite à partir du second volet de l'état de l'art qui concernait la question de l'intervention sur le bâti. Je ne vais pas y revenir dans le détail, mais cette partie d'état de l'art m'a surtout permis d'identifier la réhabilitation comme une pratique qui permet justement d'offrir une continuité à un patrimoine bâti dans le temps, tout en lui apportant des transformations pour qu'il s'adapte à de nouveaux usages. C'est ce qui est synthétisé dans la citation que j'ai mise à l'écran, c'est préserver l'identité d'un paysage, mais avec souplesse. Et en ce sens, c'est une pratique qui apparaît compatible et même favorable un développement territorial qui, comme je l'ai dit précédemment, essaie de créer des ressources à partir de patrimoine d'héritage. Je vais m'arrêter à présent sur les aspects méthodologiques de ma thèse. L'Irpinia a été retenu comme terrain de recherche principal pour plusieurs raisons. C'est un territoire d'abord qu'on peut considérer comme en recherche de développement, comme en attestent à la fois les discours politiques que les conversations informelles que j'ai pu avoir avec les habitants sur le terrain. On est face à une situation où effectivement la population diminue et où l'accès aux services est souvent difficile. La plupart des communes sont classées comme des aires internes, donc à plus de 20 minutes d'un pôle où sont présents à la fois une gare régionale, un service d'urgence et les écoles du cycle secondaire. La deuxième raison, c'est que l'Irpinia comporte une grande quantité de patrimoine vacant. Il n'existe pas de réelle quantification du phénomène, mais chaque village a au moins un quartier complètement à l'abandon. Plusieurs raisons à cela. D'abord, les quatre séismes qui ont frappé le territoire au cours du XXe siècle, et surtout des reconstructions qui ont privilégié des constructions neuves aux abords des villages plutôt qu'une reconstruction par-dessus les décombres. Et puis ensuite, il faut aussi mentionner l'émigration, puisque voilà, le fait que les personnes partent font que même des maisons récentes des années 90 sont parfois aussi abandonnées. Enfin, ce territoire a été choisi parce qu'on remarque l'activation d'une partie de la population depuis le début des années 2000, après à 20 ans, on va dire, du dernier séisme qui avait lieu donc, en 1980. Il y a eu une prise de conscience que les politiques de reconstruction, très descendantes, ne sont pas parvenues à générer suffisamment d'opportunités économiques pour freiner l'immigration et qu'en plus, elles ont conduit à la fragmentation du paysage. Donc, dès le début des années 2000, beaucoup une partie de la population, des habitants, se sont constitués en associations culturelles, par exemple, qui organisent des événements festifs pour faire redécouvrir aux habitants d'abord les patrimoines matériels et immatériels d'Irpinia. Et puis, ces associations, elles diffusent le discours d'un avenir possible en Irpinia si on repart des ressources endogènes du territoire. Donc, ce sont quatre projets d'architecture qui ont été retenus en Irpinia, qui représentent des situations où cette activation de la population s'est traduite par un projet de réhabilitation. Donc, trois critères ont été identifiés, déterminés pour les sélectionner parmi d'autres projets. Donc, ce sont quatre cas où on est face à une intervention architecturale sur un élément qui est reconnu comme un patrimoine pour le groupe qu'il défend, c'est-à-dire qu'il lui reconnaît des valeurs symboliques au-delà des valeurs marchandes. C'est un bien de propriété publique ou qui garantit un usage collectif. Et enfin,
Le troisième critère, c'est que le collectif, à travers le projet d'architecture, poursuit, porte l'intention d'avoir un impact sur la situation socio-économique du territoire. Les méthodes utilisées pour la récolte des données constituent une des particularités de la recherche. D'abord parce qu'il s'agit d'une recherche donc, qui est inscrite à la fois en sciences territoriales et en architecture, qui a traité des données à la fois graphiques, des cartes, des plans, des élévations que j'ai analysées par redessin, et des discours par le biais des entretiens semi-directifs. Donc ça a été un moyen d'analyser simultanément la dimension matérielle et la dimension relationnelle du projet de réhabilitation. Et puis il a été fait le choix de l'immersion pendant 6 mois en Irpinia pour avoir une compréhension fine de ce contexte, qui était quand même tout de même bien différent de la France, pour avoir un accès plus direct aux données et puis surtout pour faire aussi l'expérience de la vie dans ce territoire. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire habiter en hiver, en Irpinia, dans un village quand on a 25 ans ? Donc, au retour de cette immersion, il a été fait le choix de recourir à des terrains secondaires. Déjà pour prendre du recul par rapport aux éléments observés en Italie et puis aussi pour évaluer l'extension possible des résultats à un contexte différent de celui de l'Italie du Sud. Donc, il était important d'avoir des processus de projet qui soient comparables, tandis que les contextes dans lesquels ces projets s'implantent pouvaient avoir des paramètres variables. On se place en fait dans tous les cas, dans les 6 cas, dans des ruralités qui sont en recherche d'alternatives pour leur développement. Et puis j'ai repris les 3 critères de sélection précédemment identifiés pour sélectionner 6 projets en France. Je vais maintenant passer à 3 résultats, 3 éléments de réponse à ma question de recherche et qui s'appliquent tant aux situations françaises qu'aux situations italiennes. Je vais aborder pour commencer la réhabilitation, dont on a supposé au départ qu'elle était une pratique favorisant la réactualisation des héritages de longue durée. Suite à l'analyse des 10 projets du corpus, je pense pouvoir avancer que la réhabilitation est un moyen d'action pour des acteurs qui cherchent à améliorer leur cadre de vie matériel et socio-économique. En effet, réhabiliter, c'est un acte qui permet aux collectifs qui défendent des patrimoines bâtis de ne pas rester au stade du discours, mais bien de passer à l'action. Si je prends l'exemple de l'Albergo Diffuso de Castelvetere, c'est un projet qui naît à la fin des années 90. Il est porté par un groupe d'élus et d'architectes qui s'alarment de voir les bourgs médiévaux tomber en ruine après des opérations de délocalisation des habitations. Au départ, ils essaient de diffuser un discours qui dit que ces bâtiments ils portent la mémoire de la vie sur le territoire avant le séisme, qui peuvent encore être utiles, surtout dans une perspective de développement touristique de l'Irpinia. Et finalement, le projet de l'Albergo Diffuso, la réhabilitation, elle ne se limite plus par la réhabilitation. Ce collectif ne se limite plus au discours, mais permet de créer une sorte de démonstrateur d'une autre voie possible, de réhabiliter, de montrer qu'on peut réhabiliter un patrimoine bâti pour la même somme d'argent qu'un projet de construction neuve en béton armé et qui permettent d'expérimenter aussi une nouvelle forme d'hébergement touristique, donc qui vont au-delà du discours. Ce qui permet de dire que la réhabilitation, c'est à la fois un acte territorialisant, parce que le collectif donne une continuité à des éléments existants qui portent la marque de l'histoire longue du territoire. On peut dire qu'il fabrique une œuvre, au sens où l'entend Hannah Arendt, c'est-à-dire une partie du décor humain dans lequel plusieurs générations vont vivre, travailler et interagir. C'est un édifice qui va alors survivre et qui pourra être le support de nouvelles activités, de nouvelles opportunités. Mais il y a aussi, dans la réhabilitation, un acte politique à travers la sélection des ressources. Puisque lorsqu'il cherche à réunir les conditions de réalisation du projet, le collectif identifie d'autres ressources dans le territoire, des territorialités actives ou en construction avec lesquelles ils partagent des intérêts. Ce sont des groupes qui s'activent déjà pour créer de nouvelles opportunités dans le territoire, des entreprises par exemple qui véhiculent un savoir-faire artisanal de longue durée. Sélectionner et privilégier ces ressources plutôt que d'autres, c'est un acte politique dans le sens où on unit ainsi les efforts pour atteindre plus facilement des objectifs partagés. Et on peut ainsi cartographier les différentes activités créées par les 4 projets de réhabilitation analysés en Irpinia, puis toutes les activités avec lesquelles elles se connectent,
Et enfin, les compétences institutionnelles et individuelles qui ont participé à la réalisation du projet pendant la réhabilitation, mais aussi après. On voit alors apparaître une constellation de dynamiques collectives, des activités culturelles ou productives, des compétences qui s'inscrivent déjà dans cette recherche de développement plus soutenable. Et il y a un enjeu à cartographier ces dynamiques collectives pour les rendre plus visibles aux personnes qui élaborent les stratégies territoriales d'aujourd'hui et de demain, parce qu'elles témoignent bien d'une activation des habitants et d'une mise en réseau qui est déjà amorcée. Je passe au second résultat. Je me suis demandé ensuite quelles étaient les conditions optimales pour qu'un projet de réhabilitation contribue pleinement au développement territorial. Je suis partie pour cela de chacun des projets du corpus et j'ai tenté d'identifier ce qui avait pénalisé ou au contraire permis la réalisation des objectifs que s'était fixé le collectif. J'ai pris par exemple, je vous ai mis à l'écran l'exemple du village biologique. L'ouverture du collectif à d'autres porteurs de projets, c'est un plus parce que ça permet à la réhabilitation de s'appuyer sur plusieurs projets d'activité, sur plusieurs groupes, ce qui fait que si un des groupes portant le projet rencontre une difficulté ou décide de se retirer, ce n'est pas toute la dynamique qui est menacée. En revanche, le manque d'inclusion des habitants permanents du village dans la définition des projets culturels et du programme de la réhabilitation crée aujourd'hui des conflits à Cairano et ça n'apporte pas de réelle amélioration au quotidien pour les personnes qui vivent toute l'année dans ce village isolé. J'ai reproduit ensuite donc, ce raisonnement pour l'ensemble des projets du corpus, ce qui m'a donné 12 critères d'évaluation. Je ne vais pas les détailler, mais on peut donner quelques exemples. Les choix d'un acteur dominent les partis pris architecturaux ou la prise de décision collective concernant la mise en fonctionnement de l'édifice. Ces 12 critères ont été répartis sur un cercle afin de créer le cadre d'un diagramme de Kvyat qu'on appelle aussi diagramme Arrhenius. Pour répartir les critères autour du cercle, j'ai repris les 4 points cardinaux qui influencent tout projet selon le psychosociologue Jean-Pierre Boutinet. Si le critère donc concernait donc plutôt la partie technique du projet, la phase technique du projet, le critère se situait plutôt en haut. Si le critère fait référence à une décision individuelle, il se situe plutôt à gauche, etc. J'ai pu ensuite passer chaque projet à travers cette grille d'analyse et j'ai obtenu donc 10 diagrammes alignés bien différents. En les confrontant, il apparaît qu'un projet de réhabilitation qui contribue au développement territorial, c'est un projet qui se place plutôt dans le côté est de la figure, avec une dimension collective forte tant pendant la transformation de l'édifice qu'après. Aucun des projets analysés ne s'y calque parfaitement, mais certains s'en approchent. Et des 12 critères, on peut déduire 5 conditions pour qu'un projet de réhabilitation contribue au développement territorial. C'est un projet d'abord qui sera coopérant, une grande variété d'acteurs prend part à la définition et à la mise en œuvre du projet, ce qui garantit qu'un grand nombre d'intérêts individuels ou collectifs puissent être représentés, entendus, pris en compte. C'est un projet qui est inclusif et participant. Toutes les personnes impactées par le projet peuvent faire entendre leur voix et participer si elles le souhaitent. Aucune des décisions des porteurs de projet ne doit aussi aller à l'encontre de l'intérêt général. C'est un projet appropriable, puisque le collectif laisse la possibilité au projet d'évaluer, d'évoluer, à de nouveaux groupes de s'y investir, et les usages futurs du lieu ne sont pas contraints, ils pourront évoluer dans le temps. C'est un projet ensuite qui est redondant. L'aboutissement et la continuité dans le temps du projet ne reposent pas que sur un groupe restreint d'acteurs, ni sur une seule activité, pour éviter que la pérennité du projet ne dépende que d'un secteur économique, par exemple, qui pourrait entrer en crise. Et enfin, c'est un projet territorialisant, puisqu'il cherche, comme je l'ai dit avant, à articuler des éléments existants, à la fois dans les matériaux, dans les objets bâtis, mais aussi dans les dynamiques collectives qu'il mobilise. Ce modèle, enfin, il ne faut pas le voir comme une recette à appliquer, mais plutôt comme un moyen d'évaluer avant, pendant ou après un projet s'il se dirige effectivement dans la direction souhaitée, ou si certaines conditions peuvent encore être améliorées. On pourrait parler donc d'une grille d'évaluation, voire d'auto-évaluation des projets de réhabilitation. En ce qui concerne le troisième résultat, il faut rappeler que la thèse
visait aussi à offrir des pistes d'amélioration pour les politiques publiques et notamment celles qui s'occupent du développement. Un aspect à ne pas négliger, c'est la dimension individuelle des projets de réhabilitation comme des projets de territoire. J'ai beaucoup parlé de la dimension collective. Les projets de réhabilitation sont des projets à forte dimension sociétale, mais on observe que les habitants ne deviennent acteurs que lorsqu'ils trouvent aussi un intérêt personnel à ce que le projet aboutisse. Plus encore que ça, on peut dire que si leur propre aspiration entre en résonance avec les aspirations du collectif, alors les acteurs sont généralement prêts à s'investir davantage. C'est là qu'on observe le recours à des stratégies de détournement, de ruse, de bricolage avec le peu de moyens dont on dispose, parce que l'envie de voir aboutir le projet finalement pousse les habitants à être créatifs et à mobiliser des ressources qui sont parfois insoupçonnées. Cela nous renseigne sur le fait que s'engager dans un projet de réhabilitation, ou finalement dans tout type de projet qui vise à transformer et améliorer les conditions de vie dans le territoire, c'est aussi se projeter soi-même dans le territoire. Si on prend le cas de l'IRPINIA, les personnes qui sont impliquées dans les projets culturels, dans les projets de réhabilitation, sont des personnes qui n'émigrent pas, qui ne s'en vont pas. Elles restent vivre dans le territoire parce qu'elles croient en la possibilité de faire évoluer la situation, de créer des bonnes conditions de vie. Donc, ce qui laisse entendre qu'un territoire qui serait habitable, c'est un territoire, c'est-à-dire un territoire dans lequel on a envie de s'installer et de s'impliquer, c'est un territoire qui nous donne la possibilité de nous projeter. C'est un territoire qui offre des pistes, des prises, des aspérités sur lesquelles venir accrocher nos projets professionnels, nos projets de vie. Or, on constate que de nombreux projets de territoire institutionnel, d'hier comme d'aujourd'hui, misent plutôt sur l'infrastructurel, sur l'amélioration des conditions matérielles. C'est une stratégie qui a montré ses limites. Adriano Olivetti reproche déjà, en 1960, que l'État italien ait négligé justement cet aspect humain, social, dans ses politiques de logement. Les politiques de reconstruction post-séisme en IRPINIA, elles en sont aussi une bonne illustration. Et puis même le récent projet pilote pour la Haute IRPINIA semble le dériver dans cette direction, puisque par exemple, la somme dévolue à la création d'un réseau des musées va finalement être utilisée pour moderniser 4 ou 5 équipements. Donc même si ce n'est pas une nouveauté, il me semble qu'il soit encore nécessaire d'insister sur le fait que, au lieu de s'attacher à améliorer des conditions matérielles de vie, un territoire qui cherche à retenir ses habitants ou à les faire s'impliquer davantage dans ces transformations doit peut-être travailler davantage à la création de ces prises, de ces ouvertures qui permettraient à des habitants, déjà là ou potentiels, de s'y projeter. J'en arrive à présent au moment des conclusions. On peut désormais revenir à la fois sur le titre choisi pour la thèse et sur les questions de départ qui ont animé cette recherche. Le titre de ma thèse associe la réhabilitation avec le fait de réhabiter les patrimoines bâtis. L'étape d'analyse, elle révèle en effet que la réhabilitation, c'est une pratique qui contribue au développement territorial seulement si la dynamique collective qu'elle génère se poursuit après la livraison du bâtiment réhabilité. La réhabilitation, elle peut être assimilée à un processus de construction d'une ressource territoriale, mais pour que cette ressource continue à être activée, il faut que les actions collectives s'enchaînent, ne s'arrêtent jamais. Ce qui signifie que le lieu doit faire l'objet de nouveaux usages, de nouvelles appropriations, et peut-être aussi de transformations matérielles futures. La thèse était également motivée par la recherche des liens manifestes entre l'architecture et le développement territorial. Je pense qu'on peut affirmer à présent que l'architecture, c'est une des composantes essentielles, incontournables, indissociables du développement territorial, parce qu'elle est avant tout un acte territorialisant. En effet, comme l'écrit Vittorio Gregotti, l'homme a d'abord posé la pierre sur la terre pour marquer un lieu dans l'univers inconnu. Le premier geste d'architecture, c'est finalement un geste de territorialisation. J'ajouterais que c'est marquer l'espace et lui donner une signification, c'est délimiter un dedans et un dehors, c'est associer des ressources pour se créer des moyens de survivre et de prospérer. Une pratique architecturale qui contribue au développement territorial, c'est alors une pratique qui sélectionne, qui articule des éléments existants et qui les ancre à la terre. C'est une architecture qui reprend son rôle premier d'être un médium entre l'homme et l'environnement. Et son environnement. Dire cela, ça comporte plusieurs implications. Si on essaie de comprendre notamment le rôle que peut jouer un architecte dans les processus de développement territorial, ce qui était, je le rappelle, mon questionnement initial. Les projets analysés montrent qu'on associe
qu'on assiste plutôt à une réappropriation collective de l'acte de bâtir, de l'acte de réhabiliter. Et c'est précisément dans ce sens qu'elle contribue à construire de l'action collective située, bénéfique à la construction de projets de territoire partagés. Mais les architectes ne s'effacent pas non plus, pas complètement, au sein des collectifs qui ont été analysés. D'abord, ce sont eux qui traduisent les intentions multiples et parfois divergentes des différents membres du collectif en une seule et même composition, en un seul et même édifice. Ils portent aussi la responsabilité, aux yeux de la loi, de ce qui est construit. Dans ce sens, l'architecte qui contribue au développement territorial, c'est un architecte qui se porte garant de la dimension territorialisante de l'objet qui sera construit. Ensuite, seconde implication, articuler des ressources, ce n'est pas que matériel, c'est aussi articuler des collectifs déjà actifs et des compétences latentes dans le grand territoire. En effet, rien ne dit que l'architecture doit se limiter à l'échelle du bâti. Si on relit le traité d'architecture d'Alberti, on se rend compte que les bâtiments n'occupent qu'une place infiniment petite. Pour lui, un architecte qui maîtrise l'art d'édifier, c'est d'abord quelqu'un qui sait reconnaître dans un espace inconnu le lieu adéquat pour accueillir des activités humaines. C'est un art d'aménager l'espace. Alors l'architecte a peut-être également un rôle à jouer dans la définition et dans la mise en œuvre des stratégies d'aménagement et de développement territorial. Il s'agit en effet d'une autre échelle d'intervention, mais qui demande tout autant davantage d'articulation et d'ancrage, et qui pourra s'incarner dans la mise en réseau de projets existants, dans la redécouverte des patrimoines territoriaux. Un architecte qui souhaite contribuer au développement territorial d'une ruralité dans laquelle il s'implante peut alors également le faire comme un accompagnateur de projet, aux côtés des élus, des techniciens, des habitants. C'est un métier nouveau à inventer, ou au moins à déployer, et c'est en tout cas cette voie que je vais personnellement essayer de suivre pour la suite de ma carrière. Je vous remercie. Donc, on te remercie pour cette intervention qui a permis de, pour ceux qui ont perdu la tête, de comprendre quels étaient les objectifs que tu as donnés et les moyens que tu as mis en œuvre pour les atteindre. Donc, on va laisser la parole maintenant aux deux co-directeurs de thèse, Amikos et Romain Lajar, qui vont sans doute préciser le contexte dans lequel s'est élaboré la thèse et donc donner un certain nombre d'éléments complémentaires à ce que c'est. Je vais vous lever le doigt. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un pourrait me prêter un stylo ? Je l'ai. Est-ce qu'on pourrait tourner un peu la caméra pour voir les deux directeurs aussi ? Oui. Merci. Tu vois pas trop ce qu'on voit ? Oui, là c'est bon. Lucie, est-ce que tu peux aussi enlever les lumières ? C'est marqué avant. Bien. Ben, merci beaucoup, Lucie, pour cette présentation extrêmement claire. J'ai jamais douté que ce serait le cas, mais je tiens quand même à souligner que dans le contexte de, assez rocambolesque et de préparation de cette soutenance, tu as gardé le cap et préparé relativement sereinement cette présentation. Donc, je t'en remercie et je t'en félicite. Alors c'est vrai que depuis le départ, tu n'as pas choisi la facilité en souhaitant expérimenter ce double encadrement, en acceptant d'expérimenter ce double encadrement dans deux disciplines différentes, donc les sciences territoriales et l'architecture. Et je dois dire que pour nous aussi, directeur de thèse, c'était une exploration nouvelle. Tu es la première
à avoir suivi cette voie de la double inscription. Avec le Romain Dajarge, ça fait quelques années maintenant qu'on se côtoie, qu'on parcourt des bouts de chemin ensemble. On s'était retrouvés à l'origine sur la question du projet et du cercle vertueux projet, ressources, territoire et la relecture qu'il en avait proposé. Ici, la relation projet architectural, projet territoire, tu l'as abordée par la question des acteurs, bien sûr, mais non pas comme des échelles différentes et encore moins comme des échelles concentriques. L'idée de départ, c'est que le projet, comme le projet architectural, comme processus, est un levier, peut être un levier, dans l'accroissement de l'habitabilité des territoires. Ruraux, en l'occurrence, ruraux en déprise, à l'écart des centres urbains, ce que vous appelez donc en Italie les aires internes. Et c'est un sujet qui nous intéresse aussi bien lui, en tant que chercheur qu'en tant qu'enseignant. C'est un sujet qu'on essaye d'explorer avec dans nos recherches, avec nos doctorants, mais aussi avec nos étudiants dans le cursus en architecture. Et on sent bien qu'il y a là un enjeu important et tout un intérêt à rapprocher, j'allais dire réunir, mais non, à rapprocher ces deux disciplines et peut-être inventer, comme tu l'as suggéré, des métiers nouveaux. En tout cas, avoir ce double bagage pour affronter cette complexité, la complexité de ces territoires-là, je pense que c'est évidemment un atout. Alors, l'accroissement de l'habitabilité, tu l'as dit aussi, ça peut passer par le développement économique, mais on ne peut pas résumer la question à ça. Et je te remercie d'avoir à la fois mené tes investigations dans ce sens et les avoir très, très précisément présentées lors de cette orale. Alors, Lucie a abordé donc cette question à partir du patrimoine parce qu'elle a développé une approche s'appuyant sur les valeurs et les cultures locales et eu l'intuition que l'attachement également des acteurs et des populations à leur patrimoine pouvait constituer un germe de renouveau. Et je reconnais que tu en as fait une belle démonstration tout en montrant les limites et les écueils. Alors, cette situation expérimentale de l'IRPINIA, moi je l'ai trouvée, je connaissais pas cette région, tu nous l'as fait découvrir, vraiment tu as su susciter tout notre intérêt, et c'est vrai qu'elle constitue une sorte de laboratoire hein, du fait de son histoire, notamment liée aux séismes successifs, comme tu l'as rappelé. Et elle constitue également un laboratoire parce qu'on voit que les politiques de reconstruction, de relance, comme on dit aujourd'hui, y ont en partie échoué et que l'argent ne suffit pas. Et au fond, la question, c'est quelles sont les conditions pour que les projets architecturaux qui portent sur un édifice, sur un ensemble d'édifices, sur une infrastructure, embraye avec un projet de territoire. J'aime bien cette idée d'embrayage parce qu'on n'est ni dans un modèle descendant ni dans un modèle ascendant, mais dans, on va dire, un modèle coopérant, transcalaire. Et c'est ce que montre ton travail de thèse. Alors, je ne vais pas garder la parole très longtemps, je voudrais quand même insister sur la qualité du travail de terrain conduit par Lucie, ou plutôt sur les qualités de Lucie pour conduire ce travail de terrain, car elle s'est immergée dans cette région, elle a noué de manière tout à fait autonome tous les contacts avec les habitants, avec les collectifs, les architectes, les professionnels, les universitaires. Elle a su identifier les réseaux
et les modalités d'interaction, tout en menant le travail qu'elle a présenté sur les objets architecturaux eux-mêmes. Donc c'est à la fois beaucoup de travail et je dirais beaucoup de finesse et pour rassembler ce matériel qu'elle a étudié avec, avec rigueur et méthode. Donc ce faisant, eh bien, Lucie, je pense que tu as effectivement au bout de ces trois années, un peu plus de trois années ensemble, tu as un peu clarifié pour nous et nous avec toi à travers l'encadrement de ta thèse, on a un petit peu vérifié cette intuition de départ qu'on avait de cet intérêt de rapprocher ces deux disciplines. Et je te remercie vraiment pour ça parce que ça fait que conforter une approche qu'on développait déjà, une envie qu'on avait de la consolider, et donc tu apportes cette pierre qui nous est assez précieuse, cette pierre à l'édifice. Alors évidemment, j'ai pas de questions à te poser. Toutes les questions que j'avais posées, je crois que je l'ai déjà fait. Puis surtout, je suis très curieuse d'entendre celles des membres du jury rassemblés aujourd'hui et que je remercie encore pour leur disponibilité et leur persévérance devant l'adversité. Et puis, je vais passer la parole au vrai patron de cette thèse dont je ne suis que la co-directrice. Donc voilà, c'est Romain Lajarge qui va continuer. Merci. Non, patron, non, il n'y en a pas de patron avec Lucie Bosnard, mais ça, Lucie, tu es ta propre patronne. Dès le début, ça s'est passé comme ça, et ô combien je suis ravi de pouvoir le redire ici qu'il faut se méfier des apparences. On peut arriver, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce collègue, futur collègue, si modeste, si discrète, si attentionnée aux autres, tout ça, comment on va faire pour s'imposer dans cette communauté scientifique qui est redoutable avec des gens qui ont des points sur la table, et en plus elle a travaillé en Italie, donc comment elle va faire avec Et en fait, tu as démontré, et jusqu'à aujourd'hui, avec une parfaite maîtrise de l'exercice, que tu avais déjà tout compris de ce qui allait se passer, mais tu as joué avec nous tout le long, et ça c'était absolument merveilleux, tu as joué à la fausse naïve, ou prêchant faux, pour essayer d'avoir le vrai, en jouant beaucoup avec les codes. Et vraiment, pour ça, je te remercie, parce que ça démontre l'intelligence de la situation, l'intelligence de la position dans laquelle tu étais, qui a été vraiment très agréable. Pourtant, effectivement, comme l'a dit Anne, le cadre au départ était redoutable, parce qu'on ne se connaissait pas, ce n'était pas évident ici. Je n'avais, pour être certain que tu puisses faire une thèse, que deux tout petits insignes comme ça. Tu as écrit, tu écris la littérature avant. J'ai été lire, je me suis dit, oh, ça va marcher. Elle va pouvoir écrire une thèse. Elle aime écrire. Donc c'est quand même assez. Et puis toi, tu ne connaissais pas non plus. Et moi, j'arrivais. Donc ton financement de thèse m'a été offert en argent. Autant dire que je te remercie. Et pas ton remerciement, je remercie notre laboratoire commun. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où quand un nouveau prof arrive, on lui donne une thèse sans qu'il l'ait demandé. J'ai même pas eu le temps de dire merci. Comme d'habitude, c'est normal. Et donc, vraiment, tu as été pour un pari. C'était un pari. Ton sujet était un pari, ta position était un pari. Et vraiment, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. Il y a eu un moment de doute pour nous, en disant, mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut procéder? C'est-à-dire de construire des projets a posteriori. Moi, je préfère toujours construire des projets de recherche a priori, les installer dans les programmes de recherche, les installer dans les collectifs, comme on fait avec la charte des paralysants, par exemple, et puis ensuite, après, les dupliquer et les autonomiser. Pour un doctorant ou un pré-doctorant. Toi, c'est l'inverse qui s'est passé, on l'a fait à Paris, et on l'a fait aussi au titre de l'amitié et de la connivence intellectuelle qu'on avait avec Anne, qui a rendu ce sujet possible, non dangereux. Je pense que je n'ai jamais été senti en danger parmi nous, enfin, on l'a fait en tout cas tout court. Et que tout ça a été possible parce que tu es quelqu'un de très sérieux, de extrêmement sérieux, et ça ne m'étonne pas du tout que ça aboutisse finalement à cette très belle soutenance dont je ne doute pas d'issue. Mais surtout, enfin, si, il faut douter l'issue, parce qu'on invite nos collègues pour cela. Mais pour moi, l'issue, c'est ce qui se passera le jour. Donc, effectivement, tu vas faire un vote parfaitement à sa mesure, et pour cela aussi, on va te féliciter. Mais il y a aussi autre chose que je voulais dire, c'est que tu as une très, très grande honnêteté.
qui se voit et qui fait les grandes valeurs de la thèse, mais aussi une partie de ses faiblesses. Et je trouve que les rapporteurs ont tout ça très très bien travaillé, c'est vraiment très agréable. C'est dommage que vous n'ayez pas tout ça, parce qu'on aurait pu se prolonger en séminaire, on aurait pu imaginer encore plein d'autres choses en continuité de cette thèse, mais on le fera plus tard, ce virus, on l'aura réglé avec nos auditoires. Parce que, à un moment donné, on va régler le cas sur le c'est un autre. Donc, ton honnêteté intellectuelle, ça se voit principalement dans la manière avec laquelle tu as construit le retour du terrain. Le retour du terrain, je n'ai pas envie de se dire que c'est fini. Et tu nous as mis des sueurs froides, hein. Tu es arrivé en nous disant, j'ai rien trouvé, il n'y a rien de probant, on ne va pas pouvoir trouver avec ça. On ne peut rien trouver avec ce terrain. Et là, on s'est dit, calme, bon, et si elle avait raison, si c'était la première thèse où effectivement le terrain ne donne rien. Et puis petit à petit, tu as fait l'appareillage de preuves. Tu as produit l'appareillage de preuves. Et j'aurais tendance à dire que la thèse est peut-être de ce point de vue-là un modèle du genre pour dire comment est-ce qu'on décortique dans une meute de foin la petite partie-là qu'on va garder pour faire l'administration de la preuve. Et tout le reste, on sait que c'est là, mais ce n'est pas tout nécessaire. On ne peut pas tout prendre. Et ça, pour moi, tu l'as fait. Et tu l'as fait entrer dans le transparent, vraiment, merci beaucoup. Alors après, sur le fond, ça c'était la forme. Sur le fond, Tu n'es pas revenu tellement dessus, mais moi je trouve que tu participes à une démonstration post-boutinienne. C'est-à-dire, mon ami Jean-Pierre Boutinet, il dit tous tes projets. Ça, c'est le premier Jean-Pierre Boutinet, il dit oui, tous tes projets, nous sommes des situations de projet, et il n'y a pas que les architectes et les urbanistes et les aménageurs qui font des projets, en fait, tous tes projets. On aurait tout intérêt à assumer cette position que nous sommes des sociétés de projet. Et puis, le deuxième Boutinet, duquel tu ressors, hein, il est plutôt dans une logique de dire, oui, mais attention, il y a des pratiques à projet qui ne produisent pas toujours des projets pratiques. Et c'est peut-être cela qu'il faut enquêter. Et moi, je trouve que tu participes vraiment à l'idée que non, tout n'est pas projet. Et qu'il y a une grande partie de l'intervention dans l'espace qui ne relève pas à la logique du projet, qui relève de l'injonction, qui relève de la norme, qui relève de la norme préétablie. Et finalement, puisque ce n'était pas exactement ta question, tu ne t'es pas permis de dire, ah, j'ai un petit résultat secondaire qui est un peu par hasard, mais qui me permettrait peut-être en partie d'invalider la même routine. Et pourtant, je trouve que c'est bien, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Je pense qu'il y aurait épistémologiquement un grand intérêt à continuer à travailler pour séparer les disciplines scientifiques que l'on appelle disciplines à projet, dans lesquelles on place l'architecture, l'aménagement de l'urbanisme et le paysage, hein, des autres qui ont, à mon avis, pas le même genre de rapport à les concepts de projet. Deuxième chose que je voulais dire, et là aussi encore une fois pour te remercier, c'est que oui, bien sûr, tu l'as très bien amené l'idée qu'il y avait un déficit culturel dans les deux disciplines sur les concepts de l'autre discipline. Il y avait un déficit de pensée de développement d'architecture à la française, mais qui n'est pas à quarantaine. Et il y avait un déficit de pensée habitant dans l'aménagement, qui n'existe pas bien sûr en architecture. Donc, pour moi, travailler sur les déficits que les disciplines se présentent les unes aux autres, ça, ça fait avancer la science, et je trouve que de ce point de vue-là, tu le fais à ta manière, même si on aurait voulu aller encore plus loin dans la description des interactions entre les jeux d'acteurs qu'il y a autour de l'ingénierie territoriale, autour du dispositif pour faire l'architecture de l'autre, mais tu as déjà été loin, et de ce point de vue-là, je pense qu'on va rééquilibrer la table pour prolonger dans des thèmes de mémoire, des poses de l'autre. Bon, malheureusement, ce ne sera pas les poses de l'autre parce que tu vas faire un travail vachement sérieux de transformation du réel, où tu n'as plus de 20 minutes. Avec une agence d'urbanisme, et encore une fois, troisième chose que je voulais dire, c'est que tu as eu le courage de dire « Ok, je vais faire une thèse comparatiste des théories entre les territorialistes italiens, ô combien lus, relus, inspirants, et de plus en plus, à mon avis, inspirants en France, et puis la je sais pas comment on va appeler ça, le bazar absolu français autour de quelque chose qui est censé être à la française, avec des gens qui, au lieu de se battre pour faire des vraies polémiques, des belles controverses, pour croire que tout ça avance main dans la main, que du coup, avance pas beaucoup. Et toi, tu vas franchement, tu dis, voilà ce que je peux vous aider à comparer, je le fais. Je pense que le boulot est terminé, c'est pas fait un peu proche. Mais il faut qu'on aille plus loin dans ce qu'est l'avènement territorialiste, notamment sur le rapport au bio-régionalisme, sur le rapport au déterminisme éco quelque chose. Naturel, des cours responsables, qui n'était pas le sujet, mais qui, au fond, est un peu le sujet de la comparaison des territoires. Voilà, je voudrais juste terminer par un quatrième remerciement. On ne peut plus, hein. Mais c'est vraiment un moment où il faut y aller franco, parce que
c'est vrai, c'est sincère, c'est très, très authentique de notre part, c'est que tu, au début, je pense que tu n'avais pas saisi ce qu'était l'enjeu en matière de territorialisation de ce que tu étais en train de démontrer. Notamment un peu paralysé par cette incomparabilité entre tes terrains. Et d'ailleurs, peut-être effectivement, tu n'as pas assez assumé, peut-être que ce n'est pas une comparaison. C'était un terrain principal et puis des terrains points de repère, des terrains d'ouverture, des terrains de quasiment cas réflexe, quoi, pour pouvoir ne jamais raisonner tout seul, et puis de monter en généralité grâce à la différence, et pas, bien sûr, pas du tout la comparaison, de gré à gré, parce que, d'ailleurs, les rapporteurs l'ont aussi très bien signifié, ça, c'est pas exactement comparable, pour plein de raisons tout à fait pertinentes qu'ils ont soulignées. Donc, là où je trouve que tu as vraiment toi-même progressé dans ta manière de réfléchir, c'est de faire cette proposition en disant il n'y a d'architecture pertinente que si elle assume sa posture territorialisante. Et on pourrait même aller un peu plus loin, il y aura de territorialisation active, notamment dans ces campagnes en grande déshérence ou en grande fragilité, comme tu l'as montré pour des raisons bizarroïdes. Normalement, elle ne devrait pas l'être. Elle devrait être prise et reprise, ces campagnes, mais en fait, elle continue à se tenir. Il pourrait y avoir effectivement une plus grande prise en compte de ce que pourrait être le développement de ces campagnes si on donnait plus de place à l'architecture, et aux architectes. Et pour moi, cette double dépendance à l'univers de l'autre, ça existe en science, mais ça existe aussi dans le monde de l'action. Et on peut dire que ça, c'est la même partie prise. Et moi, je trouve ça vraiment, ça a été passionnant de suivre, même dans tes errances, même dans tes doutes, même dans tes faux semblants de « j'ai pas compris, je suis pas sûr, vous êtes sûr qu'on peut démontrer ça ?» Parce qu'au final, je trouve que ça fait une belle démonstration, pleine d'autorité, mais une très très grande modestie. Et ça, pour ça, c'est un bel exercice peut-être. Bon, merci beaucoup. Je veux ajouter quelque chose. Je vous remercie pour ces jolis mots que vous avez eus à mon égard et pour mon travail de thèse. Et, ben, je ne savais pas que vous avez donné des sueurs froides à mon retour du terrain. Pour moi, c'est allé. j'ai rien d'autre à ajouter, merci. Donc, on a appris un certain nombre d'éléments de ta personnalité. On te voit dans le laboratoire assise à ta table, on a rapidement vu toutes les deux. Donc maintenant, on va passer, c'est normal que les deux directeurs de thèse, en général, resituent le contexte de la thèse, apportent des éléments qui n'ont pas été apportés par un vêtement, comme on dit. Donc, maintenant, on va passer à la discussion avec les membres du jury qui sont extérieurs, qui vont discuter avec toi, qui donnent l'occasion de te défendre pendant toute cette soutenance. Donc, l'idée, c'était de commencer à Alessia. Je ne sais pas, Alessia, est-ce que tu peux intervenir? Ok. Merci beaucoup. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir accepté en forme bidimensionnelle et pas tridimensionnelle, comme je devais l'être. Je remercie tout particulièrement Gilles Novarina d'avoir pris la présidence à la dernière minute de cette soutenance de thèse. Et je les remercierai encore une fois qu'on se sera mis main dans la main, chère annonce. Alors... D'abord, je veux commencer avant de commencer la forme classique, disons, d'un pré-rapporteur, donc avec une description classique un peu de qu'est-ce que c'est cette thèse de manière objective. Je voulais féliciter Lucie pour cette aventure. Et aventure vraiment dans tous les sens. Dans le sens, la première aventure, c'est une aventure bien évidemment sur tous les terrains, mais aussi une aventure d'écriture qui nous a quand même occupé, disons, une dernière partie de notre été. Et j'ai la remercie parce que c'était très agréable. Si c'était pas agréable, j'aurais été pas sympathique aujourd'hui. Parce que la fin de l'été, c'est important qu'il soit belle. Et je trouve que j'ai passé une belle fin d'été avec cette thèse. Alors, la thèse présentée donc par Lucie Boissenin
se compose d'un tome comptant 645 pages, structuré en trois parties, une introduction et des conclusions générales, une bibliographie et 125 pages d'annexes. Les trois parties de la thèse se développent chacune avec une structure très construite, composée par des introductions et des conclusions, par chaque partie et chaque chapitre. Suite à une introduction classique, s'ouvre la première partie, titrée « La réterritorialisation des pratiques d'édification, une question interdisciplinaire consacrée aux enjeux théoriques de la thèse et au positionnement de l'impétrante par rapport à l'école territorialiste italienne et à celle française ». Cette partie se déploie en trois chapitres, dont les deux premiers sont consacrés proprement au positionnement théorique tant vis-à-vis des écoles territorialistes qu'avec la notion même de projet en architecture. Le troisième chapitre est entièrement dédié à la méthodologie choisie pour la partie empirique de la thèse, aux outils mis en œuvre et aux choix de cas d'études. La deuxième partie de la thèse, expérience d'activation des collectifs par la réhabilitation du bâti, est entièrement dédiée à la partie empirique de la thèse, les terrains principaux, comme Lucie Boissonnan le nomme, en Irpigne, en Italie, et les terrains secondaires en France. Cette partie est subdivisée, elle aussi, en trois chapitres, où Lucie présente d'abord les territoires de la région Campagne du point de vue historique par rapport à ces transformations suite aux catastrophes naturelles de 1980. Et ensuite, elle décrit et analyse les quatre projets choisis en Italie et successivement les six cas d'études choisis en France. La troisième partie, réhabiliter les patrimoines pour réhabiliter les territoires, je les titre, je dois dire, dédiée à l'analyse comparée des cas d'études et à une généralisation des résultats. Elle présente aussi trois chapitres qui traitent de la question des jeux d'acteurs, de l'importance du collectif pour les projets, de la notion de ressources et des trois catégories analytiques mises à l'épreuve dans les différents cas d'études et d'une généralisation qui se propose d'arriver à une esquisse des modèles. Les conclusions générales clôturent les travaux en cherchant d'ouvrir à des questions évidemment générales et à des possibles suites à cette recherche. Nous avons entendu qu'il y a déjà des suites, ce qui est très bien. Les annexes fournissent tous les matériaux énoncés dans les textes et dans certains cas entrent dans des détails qui auraient augmenté considérablement et inutilement les textes principaux. Donc, ils sont très bien utilisés. La thèse est très bien écrite. Je ne savais pas qu'il y avait un passé littéraire, donc voilà, la thèse est vraiment très bien écrite et les illustrations accompagnent les textes de manière appropriée, jamais un superflu. De manière générale, nous louons l'effort fait par la candidate pour construire ces données, pour trouver des manières cohérentes pour les comparer et pour avoir une écriture détaillée qui permette au lecteur de pouvoir entrer facilement dans ces terrains. Nous félicitons Lucie pour le travail original des représentations diagrammatiques, chose sur laquelle je suis particulièrement obsessive. C'est pour ça que j'ai passé une très bonne fin d'été. Et une entreprise jamais facile est donnée pour acquise. La clarté de ces schémas et des diagrammes aide incontestablement la lecture et leur caractère heuristique est bien confirmé. Une première considération formelle est sur la structure de la thèse. Un grand effort est fait pour accompagner didactiquement les lecteurs. Tout s'ouvre et se ferme avec une introduction et une conclusion formellement définies à chaque chapitre et chaque partie. Nous comprenons la nécessité, les sentiments d'apaisement et de sûreté de ce type de structure peut donner face à cette grande entreprise d'écriture qui représente une thèse. Néanmoins, cela alourdit et augmente en volume de thèse. Quand la thèse est vraiment très bien écrite, elle n'a pas besoin de tous ces ouvertures et fermetures. Voilà. Certainement, une introduction et une conclusion formellement définies, une en moins, celle de l'échelle du chapitre, n'aurait pas nuit ni à la lecture et qui resterait toujours fluide, bien argumentaire et aussi elle aurait peut-être diminué légèrement la longueur de la thèse. Ensuite, des remarques plutôt de caractère général sur des enjeux théoriques et méthodologiques de la thèse. Nous avons apprécié les travaux théoriques portés et le courage d'approcher deux mondes si proches géographiquement, l'Italie et la France,
mais étant distants dans leur interprétation et sens donné à la question territoriale. Vivant entre deux pays, j'en connais les arcanes. Nous ne pouvons que féliciter la candidate pour sa volonté d'aller dans l'Irpinia et en faire une immersion. Quoi de mieux pour comprendre un territoire, vu qu'entre la France et l'Italie, il n'y a pas le même background sous la notion territoriale, ou dit autrement, la même expérience. L'histoire des deux pays, tant différente sous la loupe de la question, de ce qui fait et est considéré territoire par ceux qui l'habitent, expliquerait mieux les divergences entre écoles italiennes et françaises sur les fondements entre les deux écoles. C'est vraiment sous l'essence qu'on donne derrière le mot territoire. L'échelle architecturale, par exemple, considérée ou pas dans la question territoriale, se comprend à plusieurs niveaux et en regardant autant d'exemples où l'on trouve malheureusement le même résultat. Une grande scission disciplinaire, et donc du domaine d'action, est faite en France, à la différence qu'en Italie. Les territoires disparaissent du domaine de l'architecture, dans les écoles d'architecture par exemple, pour se consolider comme une échelle pertinente aux seuls géographes et urbanistes. L'invention de l'aménagement territorial français reste, par exemple, intraduisible en italien. En Italie, l'urbanisme, la planification et la grande échelle territoriale s'enseignent communément dans les universités d'architecture. Aucune échelle se sépare, ne créant ainsi ni des domaines d'action spécifiques à une discipline, ni des métiers liés à une échelle. Ce n'est pas un hasard qu'Alberto Magnaghi est un architecte et Raffastin est un géographe. Cela n'est pas un jugement de valeur, bien évidemment, mais un fait qui aurait pu être travaillé comme présupposé de tout un certain nombre d'affirmations que tu as faites. Mais on comprend bien que cela n'a rien d'évident. Peut-être l'évident pour moi que je vis entre deux pays. Voilà. Toujours dans la première partie où un très bon état de l'art est fait, il aurait été intéressant de développer une approche critique à la triste équation patrimoine égale tourisme égale développement, sous-jacente à la majeure partie des cas d'études analysés, au moins de leur moteur initial. Certes, Marie Gravaghi-Barbas est prise en compte, mais en tout, chez les géographes critiques, comme par exemple ceux qui appartiennent à l'Association of Critical Heritage Studies, aurait certainement aidé l'impétrante à avoir un regard plus critique concernant ses projets. Au moins, tu pourras l'avoir dans le futur. Concernant la méthode et les choix faits, nous ne pouvons que louer la volonté d'aller sur le terrain. En tant qu'anthropologue, je ne peux qu'être contente et s'immerger dans ces territoires d'Irpinia. Les choix d'habiter l'arrière-pays est aussi juste tant pour comprendre dès l'intérieur ce monde que pour se faire mieux accepter par les locaux. Chose toujours compliquée. Cependant, dans cette démarche, nous ne comprenons pas, et ça arrive à ma première question, pourquoi Lucie Boissena n'ait pas fait une observation participante sur un des projets analysés, mais sur une autre qui n'est pas au centre de la thèse. L'observation participante ne sert pas pour s'acclimater et se faire accepter par les habitants. Elle est une méthode ethnographique qui sert à produire des données qui, par ailleurs, seraient très trop complexes à produire exclusivement avec des entretiens. Nous ne retrouvons qu'une seule référence à cette partie liée au Masserie, à la page 455, où on voit s'ajouter à la fin de la thèse, aux déjà nombreuses données sur les projets choisis, d'autres qui surgissent de cette observation participante, dont sincèrement, on ne comprend pas la fonction. Donc, pourquoi mettre en avant la question de l'observation participante? C'est une question que je devais te faire en tant qu'anthropologue, vu que c'est une de nos as dans les manches, normalement. La deuxième question concerne le choix de comparer ton directeur de thèse a commencé à mettre à expliciter la question, mais donc la question c'est parce que tu as utilisé quand même les mots comparaison. Donc la deuxième question donc concerne le choix de comparer les terrains principaux l'Irpinia à des terrains secondaires français. Le premier se déploie sur un territoire avec des problématiques définies,
en passer à un imaginaire forgé par une catastrophe qui a profondément marqué les territoires, son économie, sa démographie, un environnement et une culture particulière. Les deuxièmes sont des projets français dans des territoires distincts avec une unité typologique qui est le parc, Certes, il y a des processus qui sont semblables, mais le contexte dans lequel ils s'insèrent, il n'est pas anodin. Tout ont des caractéristiques éco-socio-environnementales semblables, les cas français, mais qui ont très peu à voir avec une idée de développement territoire principalement liée à survivre après la catastrophe, hein, qui est celle qui est liée à l'Alpine, et un background semblable à celui italien. Pourquoi ne pas avoir choisi un territoire en désertification en France avec des projets pour attirer, garder la population et créer de nouvelles territorialités? Cette question la retrouve explicitée dans la troisième partie de la thèse où nous trouvons que l'effort de comparaison est fort intéressant, au moins à l'esprit, mais il nous semble que pour ce faire, Lucie est artificiellement abstrait les cas, les processus, comme elle nous dit, de leur contexte, quand les processus sont les produits d'un contexte. Cette procédure lui a permis de pouvoir d'abord les comparer, certes, avec ceux italiens, et ensuite de pouvoir ainsi modéliser un contexte et des présupposés qui pourraient a priori engendrer des projets territoriaux intéressants. Mais pourquoi viser, c'est ça ma question, pourquoi viser à une modélisation? Cela n'est-il pas un peu paradoxal par rapport à tout principe territorialiste, soit-il français ou italien, que l'impétence que l'impétrante défend et revendique comme une approche? Les catégories comparatives proposées dans la troisième partie ouvrent à des perspectives et analyses intéressantes et fécondes. Nous apportons l'impétrante pour les travailler et les porter encore plus loin et pour cela, je l'invite à regarder dans Michel Desserteaux les binômes des notions, les binômes, pas simplement la question de la ruse, mais les binômes qu'il propose entre ruse et stratégie, qui souvent sont utilisés de manière synonymique quand en réalité, justement, ils envisagent des temporalités d'action qui ne sont pas les mêmes. Et donc, dans ces cadres, cette binôme des notions ruse et stratégie pourrait être très opératoire dans les contextes de la thèse et permettrait de proposer une analyse temporelle de ces projets depuis les débuts jusqu'à la gestion même de ces sites après la livraison du projet, certes, dans les cadres qu'il propose d'un développement pérenne d'un territoire. Dans ces cadres, nous voudrions comprendre jusqu'à quand s'étend pour elle l'action du projet et du développement territorial. Enfin, nous tenons encore une fois à féliciter Lucie Boissénan pour ses travaux, pour le courage et l'envie de comprendre ces complexes territoires qu'elle nous a clairement transmis tout au long de sa thèse. Bravo. Merci. Merci, Alessia. Pour ce rapport qui est très complet et qui pose des questions à Lucie, donc on va te laisser le temps de répondre. Moi, une partie des questions, et je répète aussi que tu as besoin, enfin, de réponse pour revenir sur un certain nombre de choses, et après, on donnera la parole au deuxième rapporteur. Merci beaucoup, Alessia, pour vos commentaires et remarques voilà, pertinentes sur mon travail. Je vais revenir d'abord sur la question de l'observation participante. Je pense que, effectivement, peut-être que le nom est mal choisi parce que, en fait, bon, je vais répondre avec beaucoup d'honnêteté pour faire écho à ce qu'a dit Romain Lagère avant. Au départ, j'avais pas vraiment calculé de faire une observation participante en Irpinia. Mais étant donné que je passais quand même 6 mois là-bas, j'avais envie de ne pas me limiter seulement à observer, mais je me disais, bon, si je peux mettre un peu les mains dans quelque chose, ce serait, voilà, moi, ça m'aiderait à comprendre. Et puis bon, je voyais beaucoup de belles énergies autour de moi et j'avais un peu envie quand même d'essayer d'aider du mieux que je pouvais. Et donc,
voilà, en 6 mois, c'est très court, donc essayer de, voilà, il a fallu trouver où est-ce que je pouvais peut-être intervenir ou autre. Le projet de, on va dire, de sensibilisation et production de connaissances autour des Masseria, qui sont des, je le dis pour les personnes qui n'ont pas lu la thèse, qui sont des fermes, des exploitations agricoles, des grosses bâtisses, en fait, abandonnées en Irpinia et plus généralement dans le sud de l'Italie. J'ai pris part à ce projet parce que c'était une opportunité qui s'est présentée. Et puis même si ça c'est quelque chose qu'effectivement j'ai pas intégré, mais en fait c'était pas complètement déconnecté des autres projets que j'ai étudiés, parce que beaucoup des acteurs en fait qui étaient impliqués dans les projets que j'analysais faisaient partie de la démarche sur la Masseria. Donc en fait ça m'a quand même aidé à comprendre beaucoup comment s'étaient formés certains réseaux, comment certaines personnes se connaissaient et surtout comment les personnes procédaient au démarrage d'un projet finalement. Parce que j'ai vu que voilà, très vite, il y avait une capacité à mobiliser des réseaux déjà constitués dans d'autres sphères. Il y a eu, ça m'a permis, je ne m'y attendais pas forcément, mais ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de mécanismes, beaucoup de débrouillardise en fait finalement dans les processus de projet au démarrage. Et donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai choisi vraiment que ça reste pas quelque chose d'à côté de la thèse, mais que j'ai cherché à l'intégrer, on va dire, dans la méthode, a posteriori, quoi, en fait, pour dire voilà, finalement ça m'a servi à comprendre des choses qui étaient que j'aurais pas pu comprendre autrement en fait. Ça m'a permis de comprendre des processus et des mécanismes qui sont écrits nulle part et qui ne ressortaient pas forcément au moment des entretiens. Donc c'est pour ça que je l'ai nommé observation participante, parce qu'effectivement j'ai agi à leur côté et parce que c'était le nom, je voulais intégrer quand même dans ma méthode. Je sais pas si je réponds très bien, mais ça permet d'un peu plus comprendre pourquoi ça arrive comme ça un petit peu plus tard dans la rédaction peut-être de la thèse. À propos des terrains principaux et secondaires, c'est vrai qu'au départ, moi aussi, j'aurais été tentée de prendre un territoire en miroir en France et puis d'étudier de la même manière 4 projets. Mais pour moi, c'était impossible de trouver un territoire qui soit comparable à l'Irpinia en France, parce que je pense que c'est... De par toutes ces différences aussi législatives, du déploiement ou non de l'ingénierie territoriale, etc. Pour moi, c'était un peu une erreur, mais j'ai l'impression que ça aurait été un peu simpliste pour moi de choisir un territoire en miroir, surtout que on allait pouvoir forcément m'attaquer sur le choix, ça n'allait pas toujours tout à fait être comparable, etc. Et comme j'essayais vraiment de décomposer des processus de projet, j'essayais de choisir des processus de projet qui étaient comparables, même si les enjeux de développement et finalement les objectifs que se fixaient les collectifs étaient différents, parce qu'au final, il s'agissait d'évaluer si ces collectifs arrivaient à faire ce qu'ils avaient en tête, et finalement... quelle que soit la difficulté à laquelle ils s'attaquaient, peut-être que c'était pas si important, ou en tout cas c'est le présupposé que j'ai pris pour faire je voulais pas tomber dans une comparaison binaire entre, je sais pas, la Lozère et l'Irpinia ou quelque chose comme ça. Et puis juste, vous avez dit, c'est vrai qu'en Irpinia on est dans un contexte où on est plutôt dans la question de comment survivre après une catastrophe. Je pense quand même que les cas que j'ai étudiés, on n'est plus dans la phase post-séisme immédiate. On est quand même dans une situation à au moins 20 ans, 15-20 ans pour les projets les plus anciens que j'ai étudiés, 15-20 ans après le séisme. Donc on est plutôt dans un moment où on peut regarder les politiques publiques qui ont été faites avant, voir ce qui n'a pas fonctionné et essayer de proposer autre chose. Et qui permet de comparer en fait à des situations françaises où on n'a pas la catastrophe, mais on a aussi des politiques publiques du passé qui montrent leurs limites, et aujourd'hui on essaie d'en proposer quelque chose de différent. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai procédé, et c'est ce qui explique que j'ai pas des miroirs. Et puis aussi effectivement Romain a donné quelques éléments de réponse en disant aussi voilà, c'était des terrains qui étaient plutôt des petits éclairages plus
ponctuelles sur lesquelles tester aussi les résultats et puis voir les... Voilà, voir, c'était vraiment un objectif de généralisation. Voilà, beaucoup plus que de comparaison, même si j'ai pu prononcer le mot. Et pour terminer, oui, je vais revenir aussi brièvement sur, sur la question de la modélisation. Bon, j'ai essayé de répondre un peu dans ma présentation en disant que voilà, même si c'est une modélisation, c'était plutôt une manière d'évaluer des projets plutôt que la recette à suivre pour faire un projet, pour faire un projet idéal. Enfin, voilà, c'est comment dire. Je trouve pas, je me dis que c'est pas forcément paradoxal avec une démarche territorialisante qui va vraiment toujours s'appuyer aussi sur les spécificités pour construire le projet. Parce que finalement, c'est des critères qui sont aussi relativement, on va dire, larges et qui peuvent intégrer pas mal de particularités aussi voilà, du territoire. Voilà. Ah oui, il y avait une dernière question aussi, jusqu'où s'étend l'action du projet pour la dimension, on va dire, territoriale peut-être du projet. Alors effectivement, oui, la contribution du développement, au développement territorial des projets de réhabilitation, elle ne peut pas se limiter seulement à la partie du projet technique, elle est vraiment, c'est vraiment tout ce qui se passe aussi après, après la livraison de l'édifice, toutes les actions collectives qui vont pouvoir avoir lieu dans les espaces réhabilités, c'est vraiment ça qui est le cœur en fait de la démarche, parce que ben, en Irpignan on voit très bien qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été réhabilités et auxquels on n'a jamais donné vraiment de fonction ni en amont ni pendant le projet, donc après ça a été très difficile voilà, de se retrouver avec plein de structures mais sans savoir ce qu'on pouvait en faire, donc on voit bien que le temps du projet, le temps de la transformation architecturale, il suffit pas du tout pour qu'il y ait une contribution au développement territorial, ou si on le dit autrement, pour avoir un impact sur la situation économique, sociale, culturelle du territoire. Donc c'est vraiment ce qui se passe après, et je crois que, voilà, je vais prendre le terme de Dan cette fois, je crois que c'est aussi d'embrayage de voilà, au moment de la livraison de l'édifice avec ce qui va se passer après qui est déterminant et qui donne cette dimension aussi territorialisante et territorialisée du projet d'architecture. Voilà, je dirais que je vais m'arrêter là. Merci. Merci pour tes réponses. Alès, ça veut dire rajouter quelque chose. Est-ce que Alès veut rajouter quelque chose ou c'est bon? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, on peut laisser la parole au deuxième rapporteur, David Franfan, s'il veut bien intervenir. Bonjour à tous et à toutes. Je vais remercier vous pour l'invitation. Je m'excuse en avance pour mon français parce que j'ai essayé de parler français, mais dernièrement, je n'ai eu beaucoup d'opportunités pour le pratiquer à cause aussi de la pandémie. Donc, j'ai pour la première chose, je vais porter les saluts d'Alberto Magnaghi qui a été en possibilité, comme vous savez, de participer au jury, mais il est très heureux de ce travail. Et donc, et comme un travail qui va à élargir les possibilités d'échange entre notre école et où Lucie a eu la possibilité de participer, de prendre partie en Italie. Et donc, Alberto, c'est très, très, très heureux de cette continuation d'échanges scientifiques. Et moi aussi, je vous remercie pour l'invitation et pour la lecture des films d'été, comme disait Alessia, qu'on a eu la possibilité de faire. Et je suis heureux aussi parce que j'ai rencontré Lucie à Florence pendant son
cette période de stage, et donc on a eu la possibilité d'échanger soit à Florence et aussi à Grenoble il y a presque 3 années, si je ne dérange pas, au début de son travail de thèse. Donc, j'ai comme membre du jury, j'ai envoyé mon rapport, mais j'essaierai d'être très synthétique dans la partie plus de cadrage général que vous connaissez très bien et que Alessia il a déjà fait de façon très meilleure de quel que je peux faire. Donc, selon moi, selon mon évaluation, les documents de thèse c'est très très bien structuré à travers la partition en 3 parties qui vont à peine définir l'objet de travail, la méthodologie et les buts de travail de thèse. En particulier, je trouve que la dégustation méthodologique sous le point de vue méthodologique, c'est très très solide, très très bien structuré, et donc va poser les conditions pour une très très utile et fructueuse échange scientifique entre l'approche territorialiste et l'approche de la science, de l'école de sciences des territoires français. Je pense que cette première partie où Lucie va se confronter avec beaucoup de concepts référés surtout à la notion de patrimoine, à la notion de développement territorial, c'est très très bien défini, et surtout il va poser les conditions pour une fructueuse analyse qu'il a fait à sujet de cases d'études, et à poser les conditions pour une correcte impostation méthodologique sur les cas d'études qu'il a fait soit pour la France, soit pour l'Italie. Je trouve qu'en général, la thèse il a permis de faire de restituire une contribution théorique que, même si en Italie, par exemple, à travers l'école territorialiste, on est en train de faire sur l'observation de notre pratique, de notre réflexion dans les territoires. À travers le travail de Lucie, on a la possibilité d'un retour à travers cette étude sur notre pratique et de reconstruire, rebâtir un cadrage théorique, méthodologique très, 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 très utile pour notre travail et en général pour le travail d'études sur les processus de développement territorial. Et cela a sujet surtout de la définition d'une correcte approche à la diagnostic territoriale, à l'observation de démarches de patrimonialisation comme démarches qui vont à révéler, souvent à chercher de révéler à travers la mobilisation des acteurs locaux, la création des ressources et la révélation de la projectualité implicite du territoire, et enfin sur les utiles des concepts d'évaluation et surtout des concepts de valeur ajoutée territoriale qu'on a essayé d'étudier en passé. Donc, suite à cette, où je vais retourner tout à l'heure.
un autre point, sous des aspects des méthodologiques, je trouve que c'est des autres et des développements territoriaux, je trouve que des aspects que Lucie a mis en lumière, ils sont très importants, comme le concept de redondance. Je pense que c'est un concept central dans derrière le concept de patrimoine, parce que par exemple pendant l'enseignement, j'utilise pour expliquer à les étudiants l'idée du patrimoine, je vais expliquer que c'est là que ce qui fait la différence entre le patrimoine et un objet qu'on a reçu du passé ou du passé proche, c'est la multifonctionnalité, c'est le multitasking en anglais. Mais le concept de redondance, c'est plus dense, c'est plus riche, parce qu'il fait référence à la complexité de la vie, à la complexité de les relationnels entre les objets et les sujets virtuels, qu'ils vont constituer, comme disait Jean Jacobs, les poules génétiques où se déroulent les territoires, le développement endogène, de façon endogène. Et donc, je trouve que ce concept, je remercie Lucie parce que je pense que c'est un concept très important pour notre évaluation de véritable processus de développement de façon endogène et autosoutenable, comme disent Alberto. Et l'autre aspect que je trouve très, très intéressant, que nous n'utilisons pas en Italie, c'est parce qu'il y a une signification peut-être un peu différente, c'est le concept de collectivité émergente. Je pense que on utilise dernièrement, on essaie d'utiliser le concept de communauté, mais que c'est un concept, je pense, un peu plus. Peut-être que Alessia De Biase peut dire sûrement des choses très intéressantes à cet sujet. Mais je pense que le concept de communauté, c'est un concept très impégnatif dans ce processus quand on le va utiliser. Et le concept de collectivité locale, je pense qu'il peut être un concept plus intéressant à utiliser quand on est en situation de, disons, une première phase de territorialisation des acteurs, des réseaux d'acteurs dans des contextes où on a expérimenté des processus d'abandon, de désertification, de perte de prix sur les territoires de la part des habitants. Donc, je pense que ce concept est aussi intéressant. Et enfin, l'idée de l'importance du développement, de l'idée du modèle de développement économique che là bien descrit dans les cas italiens selon la façon d'utiliser les ressources territoriales en relation à la possibilité de déclencher des véritables processus de re-territorialisation. Parce que je pense que on était ensemble avec Lucie à Matelica il y a quelques années quand une personne a intervenu dans Matelica, c'est un lieu où a eu un tremblement de terre au centre de l'Italie, et on a fait une conférence avec la Société des territorialistes sur l'observation du post-sisme et comme la communauté, la société peuvent reprendre vie et réhabiter les territoires. Et une personne a intervenu, il a dit, bon, on a besoin, oui, que vous puissiez rebâtir
les bâtiments, les rues, les connexions. Mais on a principalement besoin de réactiver notre économie locale. Et donc, cet élément, c'est très, très important pour lier la notion d'habitation, d'habitat, de réhabiter avec les liens à travers des processus de mise en valeur économique aussi, de reprise des activités économiques liées au territoire. Et je pense que Lucie a fait un très intéressant travail en observant comme les projets vont à chercher d'avoir une prise sur l'activation de nouvelles économies liées à le savoir-faire local, ou comme dans le cas des comment s'appelle le projet Icologna di Carbonara. Et donc, selon moi, c'est un accent très important dans la thèse que c'est important de souligner. Enfin, je vais terminer sur le concept de valeur ajoutée territoriale. C'est un concept qu'on a utilisé en passé dans l'école territorialiste pour essayer d'évaluer quels sont les processus qui ont une qualité de véritable mise en valeur du patrimoine territorial. Mais on a eu toujours difficulté à définir quels sont les indicateurs, les éléments qui peuvent permettre d'essayer si on a ou pas, on est ou pas en présence d'une processus endogène et durable de développement. Je pense que le modèle qui a défini Lucie, comme elle a dit, c'est un très, très intéressant modèle d'évaluation pour cette boue. Je pense que j'irai à l'utiliser. Et bien sûr, avec la mention du travail de Lucie, parce que c'est une référence, je pense, très importante pour l'avancement de notre expérience et des réflexions sur notre travail. On a fait beaucoup d'atlas des patrimoines socio-économiques, mais cet élément, c'est une contribution, je pense, que va ajouter un outil très, très utile pour notre travail. J'ai fini en particulier et je vais faire mes compliments à Lucie pour ce travail parce que je pense que, spécialement en Irpinia, elle a travaillé dans un contexte pas facile. Avec l'aide de notre collègue de Napoli, et bien sûr, mais c'est un concept où, comme dit Romain, il a eu le courage et l'initiative de se plonger avec sans perdre avec la capacité de combiner, disons, l'immersion participant avec une attitude réflexive d'une véritable chercheuse. Donc, merci à Lucie et merci pour votre invitation. Et je m'excuse pour mon français un peu tremblant. Merci beaucoup. On a tout compris, hein, y a pas de problème. Le français, c'était OK. Mais tu comprends bien l'italien, c'est pour ça. Non, ma firmi è per il francese, perché io so che le parlare in italiano è anche molto difficile per me, ma firmi. Allora, on laisse la parola a Lucie per répondre a ses remarques, a ses interventions, a ses compliments. Oui, merci, et ça me fait plaisir de voir que, effectivement, que vous y trouviez aussi, vous, en tant que membre de l'école territorialiste italienne, que vous trouviez dans ma thèse des moyens
de faire progresser vos travaux. Ça me fait très, très plaisir. Et évidemment, je serais ravie d'en rediscuter avec vous, etc. Je pense que il y a effectivement, on pourra aller beaucoup plus loin dans les échanges entre les sciences territoriales françaises et l'école territorialiste italienne, parce que oui, c'est deux courants qui, bon, bah, comme je l'ai dit, sont très proches dans ce qu'ils racontent, tout en observant les choses dans des contextes différents. Et donc, ça montre qu'il y a quelque chose effectivement à creuser. Pour revenir oui, sur les termes, notamment la question de la collectivité, collectif, communauté, etc. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, d'avoir bien compris, mais je pense que c'est en tout cas un terme qui, moi, m'a posé pas mal de questions au cours de ma thèse, parce qu'en français, utiliser le mot communauté est souvent connoté assez négativement, avec une question de repli identitaire, etc., qui arrive très vite à l'esprit. Donc, c'est un terme que j'avais un peu banni de mon travail. Et donc, c'est pour ça aussi que dans la thèse, j'ai gardé souvent le mot comunità, donc en italien, parce que, voilà, pour garder, on va dire, les bons côtés de la communauté sans les connotations négatives. Et c'est aussi pour ça que le terme de collectivité arrive peut-être un peu plus dans mon sujet, parce que c'est peut-être ce qui se rapproche un peu plus aussi de l'idée de comunità, qui, je trouve, est assez intéressant en italien, parce que ça fait ressortir qu'il y a quelque chose qui lie les habitants d'un même territoire. Et qui va, voilà, derrière le mot communautaire, pour moi, il y a vraiment cette idée de travail ensemble et de partage d'intentions. Voilà, et c'est dommage qu'en français, en plus, on ne puisse pas utiliser communauté pour désigner vraiment ça, ou qu'on ne retrouve pas ça derrière. Mais voilà, enfin, bref, je pense qu'il y a beaucoup de termes comme ça aussi qui mériteraient d'être approfondis entre le français et l'italien pour faire avancer aussi la confrontation entre les deux écoles, et pour aussi expliquer, voilà, pourquoi parfois certains termes ne se traduisent pas tout à fait comme ça dans l'autre langue. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions particulières, mais voilà, bref, on pourra aussi en rediscuter et approfondir nos travaux ensemble. Merci, merci Lucie. Donc on va laisser la parole à Vincent Deschamps, qui est professeur de géographie sociale, mais qui a aussi une deuxième casquette, puisqu'il est responsable d'une institution à Villeurbanne qui s'occupe du patrimoine. Merci, Monsieur le Président. Et puis merci aussi de l'invitation. Je tourne vers Romain Lachin, qui m'a sollicité pour ce jury. Et comme vous venez de le rappeler, je ne suis plus dans le poste d'enseignant supérieur, et donc participer à un jury comme celui-ci, lire une thèse, c'est précieux. Voilà. Je suis très heureux d'être avec vous. Et en plus de ça, j'ai la confirmation que les thèses soutenues dans les écoles d'architecture, en tout cas celles que j'ai pu fréquenter en moment de thèse, ça reste des moments importants. Voilà, vous êtes là, il y a du monde, il y a un côté effectivement de... à la fois solennel et je dirais festif, que je sens, voilà, autour de ces soutenances de thèse, et j'avoue que par rapport aux soutenances de thèse que j'ai pu vivre dans le contexte universitaire, ça reste un événement, ça l'est beaucoup moins banalisé que ce que ça l'est à l'université, et j'en suis très très heureux. Alors, donc du coup, ça m'a donné l'occasion de vous lire. Et ça, c'est vrai que ça a été un plaisir. Ça a été souligné par Alessia tout à l'heure. C'est vrai qu'en une thèse de plus de 600 pages, en fait, le texte lui fait un peu plus de 500, ça a toujours quelque chose d'un petit peu intimidant en soi, c'est évident. Mais je n'ai pas eu de moment de fléchissement dans ce temps de lecture. Vous avez su me capter, vous avez su maintenir l'attention et le fil du lecteur, même si je n'ai pas lu une traite, évidemment. Et ça, je trouve que c'est déjà
assez remarquable de tenir comme ça, finalement, votre lecteur par une écriture de qualité, par une structuration aussi très, très claire, très, 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 très limpide, très fluide. Et au bout du compte, effectivement, on ne fatigue pas. Ah oui, ça c'est déjà une excellente chose, et au contraire, on se pose de plein de questions d'estimante. Tout à l'heure, Romain a utilisé le terme de qualificatif de sérieux, c'est vrai que ça a été la première réaction que j'ai eue en vous lisant que c'est un travail très sérieux, très gros, avec effectivement un soin dans la construction des hypothèses, qui est assez remarquable, je trouve. Une manière de vous confronter aussi à des questionnements théoriques qui est à la fois courageux de cette manière-là et en même temps, je dirais, tout à fait bien menée, tout à fait probante. Vous avez su exposer votre méthodologie, qui est une méthodologie élaborée, qui est une méthodologie, je dirais, assez, assez ambitieuse, même si on aurait pu effectivement attendre dans certains registres. D'autres façons de faire, hein. On a parlé tout à l'heure d'observation participante par exemple, mais bref, votre choix méthodologique se tient très très bien. Et puis vous nous proposez tout au long de la lecture un certain nombre d'outils permettant d'analyser la comparaison, alors la comparaison, on pourrait aussi vous discuter du terme, hein. Mais en tout cas la confrontation, la mise en parallèle de tous ces cas d'analyse qui sont soit italiens, soit français, soit prioritaire, soit secondaire, bref, peu importe, en tout cas, vous nous les donnez à lire, je dirais, de manière globale, de manière à avoir justement cette vision transversale de vos cas d'études. Et je trouve ça très, très réussi, encore une fois, je trouve que ça marche très bien. Effectivement, vos tableaux, vos diagrammes, vos plans, vos élévations, avec une lecture commune, une analyse commune de ces tableaux, j'ai trouvé ça tout à fait compliqué. Comment dire, convaincant et tout à fait pertinent. Autre qualité que j'ai trouvé à vous dire, c'est l'usage des citations et des verbatims. Ça, c'est pas toujours facile à doser, vous le faites très bien, à la fois en citant les auteurs que vous mobilisez et à bon escient, pas trop longuement, c'est parfois un peu la tentation de finalement laisser parler les auteurs plutôt que de penser soi-même ou d'écrire soi-même. C'est pas votre cas. Et puis, on entend aussi les acteurs, on entend aussi les terrains à travers les extraits de paroles ou d'entretiens que vous avez pu mener. Et puis enfin, moi qui ne suis pas quelqu'un de très tourné vers la modélisation, là je dois dire que vous avez su me convaincre de cette proposition que vous nous faites est tout à fait convaincante. Même si vous avez dit que c'était aussi un outil finalement pour ensuite lire, analyser d'autres terrains, il n'empêche que là vous procédez une montée en généralité qui fonctionne, qui m'a très bien plu. Voilà un certain nombre de grandes satisfactions et puis finalement vous nous permettez d'éclairer finalement et de nous interroger sur des questions assez fondamentales quand on s'intéresse aux questions patrimoniales, aux questions territoriales ou architecturales et à savoir par exemple la condition de transmission des patrimoines. C'est une question moi, qui m'intéresse beaucoup. Et vous le montrez, je vais très très vite, mais effectivement ça passe par la mise en projet. En tout cas, vous confirmez cela. Ça c'est tout à fait intéressant. Et puis vous nous amenez à vous interroger sur quelle architecture vous avez du siècle. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Autour de la question de la compétence édifiée, autour de finalement comment faire de l'architecture alors qu'on a pris conscience de la finitude de la planète. Et vous nous dire en conclusion que vous ratez peut-être aller assez loin sur la question de quels architectes pour cette architecture, vous donnez beaucoup de choses en fait, hein. Vous nous livrez beaucoup d'éléments hein, qui malgré tout sont bien présents, hein, avec cette idée du passage de l'architecte mignoche ou de l'architecte médiateur ou accompagnateur de projet, tout ça est tout à fait intéressant. J'aurais trois grands types de questions-réactions, vous ne pourrez pas répondre à tout, mais voilà, vous prendrez dans ce qui vous intéresse, dans ce que je vous dis. Le premier faisceau d'interrogation autour des mots, autour du vocable, autour des définitions. Ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup stimulé. Autour d'abord de la catégorisation des disciplines que vous nous proposez. Alors vous revendiquez, page 36, l'originalité de finalement confronter la production, vous dites la collecte de données à travers les méthodologies des sciences humaines et sociales et à travers les méthodologies de l'architecture. Bon, terme de collecte, je discuterai un petit peu. Vous produisez vos données, hein, il n'y a pas
c'est pas que le lait qui sont dans l'air et qu'on irait juste le cuire, non, vous les produisez dans votre confrontation, dans votre relation au terrain. Ben, peu importe. Donc, vous programmez cette originalité, donc SHS Archi. Et puis, à partir de la page 39, vous basculez, mais sans vraiment le dire, pas vraiment dire comment vous basculez, du côté donc, des sciences territoriales que vous indiquez, dans lesquelles vous positionnez d'ailleurs tout à fait clairement. Pour moi qui n'en suis pas du tout spécialiste, on s'y repère bien. Mais on a envie de vous demander finalement, quid des sciences territoriales par rapport aux sciences humaines et sociales. Voilà, est-ce que vous ne dites pas comment vous positionnez ça. Ça peut être une question qu'on peut se poser. Autre question que je me suis posée, vous situez donc les HS du côté et les sciences territoriales du côté du relationnel, et puis l'architecture du côté technique, dimension relationnelle, dimension technique. Ça peut être tout à fait commode, d'ailleurs ça marche dans votre propos, mais finalement vous ne revenez pas là-dessus. Et d'un certain point de vue, on se rend compte que par le traditionnel, on est amené à s'interroger sur les choix techniques qui sont opérés. Et inversement, effectivement, quand on rentre par la technique, on rentre du côté d'acteurs qui vont interagir avec les architectes, des artisans, des habitants qui font de l'autoconstruction. Voilà. Donc c'est commode peut-être pour démarrer, mais peut-être que vous, ça mériterait de revenir justement sur cette question. Qui n'est pas, je dirais, qui n'enferme pas, donc toi qui ne dois pas enfermer ces disciplines dans le rationnel versus le technique. Un questionnement autour de territoire territorial, territorialisé, dans lequel vous positionnez très fortement, très clairement. Je me suis interrogé notamment par rapport à la question du local. Alors, le local, on retrouvera à la fois, je dirais, peut-être dans le langage commun. On parle assez facilement aujourd'hui de relocalisation d'un certain nombre d'activités dans un contexte donné. Et puis on trouve aussi, vous le disiez aussi, du côté de Managui, qui parle de projet local, qui parle de conscience du lieu. Voilà, local, territorial, est-ce qu'il y a quelque chose à en dire? C'est certainement pas qu'une question d'échelle, c'est un choix que vous avez opéré. Voilà, éventuellement, j'aurais aimé vous entendre vous dire. Pour aller un tout petit peu plus loin sur cette question du territorial, vous avez donc utilisé la notion de patrimoine territorial. Mais dans une certaine mesure, je me suis demandé, voilà, est-ce que ce n'est pas un pléonasme? Est-ce qu'il y a des patrimoines qui seraient atterritoriaux? Voilà une question, puis je me suis posé un peu la même question à partir des ressources. Vous évoquez ces ressources qui sont soit inventées, vous contestez un peu le terme, même si on parle en archéologie d'invention, par exemple, de choses qui sont déjà, etc. Est-ce que ces ressources-là, il faut les qualifier forcément de territoriales? Et je me suis demandé, est-ce que les ressources génériques auxquelles on fait référence, je ne vois pas ce que c'est. Voilà, j'ai du mal à identifier les ressources qui ne seraient pas, territoriales ou territorialisées. Là, on peut peut-être d'ailleurs discuter les termes. Il y a peut-être des ressources qui sont inventées de l'extérieur. Là, ça peut être un gisement de pétrole qui va être identifié par les grandes multinationales et qui ne sont pas maîtrisées, effectivement, par les habitants. Mais en tout cas, la ressource, elle est quand même, d'un certain point de vue, territoriale ou territorialisée. Voilà, je me suis interrogé autour de ça. La question de la réhabilitation, ça m'a un petit peu gêné au départ parce que j'en avais une acception autre, mais après, si vous posez les choses, très bien. Je me suis demandé si le terme de reconversion n'aurait quand même pas été utile, dans le sens où vous utilisez Emmanuel Réal, par exemple, qui enseigne l'école d'architecture de Rouen, qui est spécialiste du patrimoine industriel. Et effectivement, reconversion, ça dit bien que la valeur d'usage vient en premier. Et c'est un peu ce que vous constatez, vous aussi, hein, dans vos réflexions. Et puis, reconversion, ça dit aussi la question de la fonction. Alors que là, avec réhabilitation, il faut préciser les choses. Vous parlez à un moment de réhabiliter dans ses fonctions. Un des cas de figure que vous analysez à la grange cartésienne. Voilà, bon, effectivement, moi j'étais spontanément plutôt du côté de la réhabilitation comme redonner la possibilité de poursuivre une même fonction, la reconversion de marquement une culture qui souvent est observable dans le contexte de la patrimonialisation. Voilà, réhabilitation, reconversion. Puis enfin, peut-être un mot sur le développement, vous ne m'avez pas complètement réconcilié avec le terme. Voilà, je trouve que là vous êtes. Peut-être pas assez convaincant pour le coup. Pour moi, de faire cette idée derrière le terme, qu'il y aurait quelque chose de linéaire, voilà, quelque chose qui irait du côté de l'accroissant, qui ne serait pas forcément du côté du qualitatif. Alors que finalement, vous nous dites par ailleurs que tout ça n'est pas forcément très linéaire quand vous parlez par exemple de territorialisation, déterritorialisation, re-territorialisation. Voilà, on est dans d'autres schémas que effectivement, la question du développement. C'est peut-être moi qui suis informé par l'usage qui en a été fait.
pendant très longtemps. Voilà un petit peu mes interrogations sur les thèmes. J'avais une deuxième interrogation, qui serait peut-être plus de l'ordre de la critique. Moi, je trouve qu'il manque de la sociologie et des sociologues dans votre affaire. Autour de ces questions de mobilisation, de ces questions de jeunes acteurs, de réseau, j'ai trouvé que dans votre état de l'art, il manquait peut-être un certain nombre de points de repère, un certain nombre de propositions théoriques, conceptuelles, qui peut-être vous auraient été utiles. Et je me suis dit à un moment que ça me manquait, quand vous dites page 73, l'essentiel c'est que les acteurs d'un territoire, entrepreneurs, habitants, élus, partagent les mêmes représentations. Certes, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions de réunion pour qu'il y ait ce partage des mêmes représentations. Ça ne va absolument pas de soi. Et effectivement, un certain nombre de sociologues ont bien montré que ces questions de représentation étaient quand même très très liées aux positions sociales des uns et des autres, de ces différents acteurs sur un territoire. Et je pense que cette question de la lecture des différences de points de vue, d'appréciation, d'intérêt, donnant lieu à des conflits, vous en pensez qu'il y a des conflits, soit une grille de lecture intéressante qui aurait peut-être permis d'éclairer ce qui reste parfois un petit peu dans l'ombre. Par exemple, quand vous dites, page 53, on a pointé l'essence des acteurs à mobiliser leur réseau. Alors, il y a des acteurs qui vous font ça très bien. Et vous le constatez, il y a des architectes qui le font bien, qui sont en relation familiale avec des élus, on voit bien que ça peut fonctionner. Mais les acteurs sont très inégaux là-dessus. Et ça, vous auriez peut-être pu le redire. Et ça peut s'exprimer, hein, façon de le dire, hein, mais voilà, la notion de capital social, par exemple, sur cette question du carnet d'adresse. Vous parlez à un moment du carnet d'adresse, mais vous n'en parlez qu'à propos d'un des maires. Effectivement, tous les acteurs n'ont pas le même carnet d'adresse. La notion de capital culturel aussi, pour être intéressante sur cette question du rapport au patrimoine, qui se sent légitime pour dire ben, ça, c'est du patrimoine. Ça a de la valeur, c'est une valeur historique, de leur ancienneté, etc., etc. Voilà. Et finalement, on voit bien certains acteurs, hein, des architectes, des artistes, à un moment un fonctionnaire, mais je trouve que vous n'allez pas assez loin pour nous dire qui ils sont. Moi, j'aurais bien aimé savoir qui sont cette vingtaine d'acteurs mobilisés autour du Moyen-Âge. Je peux faire l'hypothèse qui se ressemble un peu aussi, ces acteurs-là, hein, qui ont des profils sociaux intéressants à identifier. Et du coup, peut-être que vous auriez pu comprendre pourquoi ça ne marche pas parfois avec des habitants. Pourquoi parfois le fait que des étudiants passent quelque temps quelque part, ça ne suffit pas. Parce que peut-être qu'il y a une distance sociale, hein, qui fait qu'il leur fallait peut-être plus de temps. Bref, c'est cette question effectivement d'un meilleur positionnement de vos acteurs sociaux qui, je pense, aurait été utile. Et puis il y a une grille de lecture que je pense que vous auriez pu mobiliser, peut-être mobiliser à d'autres occasions, qui est celle entre finalement les autochtones et les allochtones. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue comme ça, des gens qui viennent de l'extérieur, et puis des gens du cru. Et puis il y a aussi des gens qui sont partis, qui reviennent. C'est aussi un profil particulier. Et là, j'aime bien le professeur qui a fait le sociologie de la fierté sur lequel cas d'autochtonie. Effectivement, être de quelque part, c'est une ressource. Et quand on ne l'a pas cette ressource et qu'on est tout seul, ça ne marche pas. L'architecte Brun-Musson, il n'a pas de capital d'autochtonie. Les étudiants qui viennent non plus. Et il n'y a pas d'alliance qui se fait avec des gens qui auraient cette légitimité-là. Donc voilà, je pense que dans cette question de la connexion, de l'élargissement de l'agrégation de public, non seulement il y a la question effectivement du positionnement social, mais il y a aussi cette question du rapport au lieu, qui est une forme de légitimité, et parfois qui est compensée par le fait qu'on a d'autres ressources, quelque chose culturel ou un capital social. À un moment, vous avez un de vos acteurs qui, je crois, est arrivé en Ardèche, et lui, on sent qu'il n'a aucun doute. Dans quelques temps, je serai conseiller municipal. Alors, je vois les choses comme ça, je vais m'impliquer, mais parce que je me sens apte à le faire. Alors que vous avez des gens qui sont là depuis peut-être des générations et des générations qui ne vont pas se sentir légitimes pour venir conseiller municipal. Voilà, tout ça, on sent que c'est pas loin, mais peut-être que vous auriez pu l'éclairer un tout petit peu plus. Et finalement, pour nous aider à comprendre ce qui est vraiment une question passionnante, vous posez cette question de l'agrégation. À certains moments, ça marche, à certains moments, ça ne marche pas, ou alors ça marche un moment et puis les conflits ressortent comme à Tirano, hein, parce qu'effectivement, l'association autour de la démarche artistique, on entend bien compte que ça ne répond pas forcément aux attentes d'habitants qui ont peut-être d'autres attentes. Voilà, et puis je terminerai sur des choses un petit peu plus ponctuelles ou décousues, mais qui m'ont. Je vois aussi il y a des choses qui m'ont bien intéressé. Alors, il y a une première chose, c'est peut-être une référence qui aurait pu être utile.
Bon, j'aime pas trop faire ça parce que on a souvent commencé à lire avant vous, donc c'est facile ça. Mais là, en l'occurrence, c'est une thèse qui a été soutenue récemment à l'École d'architecture de Lyon de Nicolas Dutry, hein, sur la reconstruction post-Bellicom. Voilà, et sur la question, effectivement, un peu analogue de la reconstruction, en tout cas de l'intervention architecturale après la catastrophe, il y avait sans doute des choses à apprendre. En plus, il vient juste de sortir son bouquin, Le patrimoine bâtir, les structures de protection, conservation et restauration post-Bellicom. Voilà, petit conseil de lecture. Deuxième point, c'est la question du recours à l'événementiel. C'est intéressant de nous montrer que c'est une des deux conditions avec le fait de contractualiser, en tout cas l'impact. Voilà. Je trouvais ça intéressant. Et puis le recours à l'événementiel. Là, effectivement, vous avez pu trouver aussi des références sur ce qui s'est joué en contexte urbain. Voilà, dès les années 90, on a bien identifié ça, cette connexion, finalement, entre le fait d'inventer un festival, par exemple, dans les anciennes usines à Nantes, et puis de valoriser, de générer, en quelque sorte, des processus, des convergences d'acteurs autour de la mise en valeur d'un patrimoine d'acteurs. Et puis la dernière chose, ça, c'est une phrase qui m'a bien intéressé, mais. Du coup, je m'accroche à cette phrase-là. Vous parlez d'une vision territorialiste qui ne peut se satisfaire de permettre des protections du patrimoine bâti. De permettre des protections du patrimoine bâti. Non, des périmètres, pardon. J'ai écrit des mots. Je veux satisfaire de périmètres de protection du patrimoine bâti. Dans l'idée que ces périmètres de protection figeraient, en quelque sorte, hein, les espaces qui sont ainsi protégés. Alors, d'une part, ça peut se discuter. Même dans le secteur sauvegardé qui est censé être l'outil le plus puissant et le plus figeant, en quelque sorte, il peut se passer des choses. Dans le contexte des sites patrimoniaux remarquables, là aussi, la question de la création architecturale peut intervenir. Hein. Bon, il se trouve qu'à Villeurbanne, il y a un SPR autour des Gratte-Ciel, mais il y a la moitié du périmètre qui est en projet pour la production d'un morceau de ville important. Voilà, donc ça peut se contester. Et puis surtout, je trouve que le problème de fond, il n'est pas tout à fait celui-ci. Là où je dirais, la vision territorialiste que vous l'adoptez pourrait trouver à redire, c'est parce que finalement, ces périmètres de protection font que, plus ou moins consciemment, partout d'ailleurs, on s'autorise un peu n'importe quoi. Partout d'ailleurs, on n'a pas forcément le soin hein, de ces héritages, de l'environnement, etc., etc. Et c'est là où cette vision des périmètres, qui est un peu une vision datée hein, des années 60, la vision du génie, en quelque sorte, je trouve qu'effectivement, elle est devenue obsolète, d'un certain point de vue. Et finalement, toutes ces réflexions que vous mobilisez et d'autres, vont un peu dans le même sens, à savoir que, d'un certain point de vue, le territoire, dans son ensemble, ou les territoires dans leur globalité, devraient être conçus comme des patrimoines, comme du patrimoine. Et là, ça renvoie un auteur que vous citez, mais que vous ne citez pas, vraiment comme un des pionniers de cette pensée-là, qui est Dinero. Hein, qui, dès 94, effectivement, travaille cette analogie, finalement, entre territoire et patrimoine. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la globalité même des territoires qu'il faut appréhender comme des patrimoines auxquels il faut prendre le soin aujourd'hui. On n'a pas trop le choix. Voilà, merci. Je pense que ça s'entendait que ça m'a beaucoup intéressé et interrogé de vous dire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces questions et toutes ces pistes que vous m'ouvrez pour prolonger, on va dire, ma réflexion et ma recherche. Effectivement, je vais revenir sur certains termes, notamment la différence entre peut-être local et territorial, en tout cas la différence que moi j'ai voulu faire. On va dire que pour moi, dans le local, il y avait effectivement ce qui est là, ce qui est autour de nous, pas très loin. Et dans la question territoriale, finalement, c'est ce qu'on va sélectionner. Pour moi, il y a vraiment une question de sélection qui est indissociable de la question du territoire et de la territorialisation. Et c'est pour ça que peut-être il y a des ressources qui ne sont pas territoriales dans mon esprit. Parce que, effectivement, il y a une question de sélection dans la ressource, quoi qu'il en soit. Mais finalement,
on peut exploiter des ressources sans qu'elles n'aient aucune, on va dire, sans qu'elles ne permettent le développement, ou peut-être qu'on doit l'appeler autrement, mais sans qu'elles n'apportent de bénéfices aux personnes qui sont là. Donc c'était ça, on va dire, la différence que je faisais entre le générique et les autres sources qui sont peut-être plus territoriales. Mais voilà, sinon, entre local et territorial, voilà, vraiment pour moi, la différence, c'est la différence entre ce qui est là et dans territorial. Il y a l'idée qu'on va sélectionner quelque chose qui est là, et que les personnes qui sélectionnent, elles sont aussi... Il y a une question collective, il y a une question de communauté au sens italien, peut-être aussi, beaucoup plus aussi dans l'interaction collective. Ensuite, peut-être sur reconversion et réhabilitation. Oui, je me souviens que j'ai mis de côté, enfin j'ai éliminé reconversion, même si je ne suis pas forcément revenue dessus dans le manuscrit. J'ai éliminé reconversion parce que pour moi, il y avait vraiment une question trop tournée sur la valeur d'usage et sur vraiment la fonction du bâtiment, alors que dans réhabilitation, c'est vrai que j'avais envie aussi peut-être plus d'exprimer, je ne sais pas si le mot réhabilitation en lui-même, il exprime cette idée-là, mais l'idée du collectif qui se crée, et que en fait, le patrimoine, c'était pas, je voulais pas juste étudier le changement de fonction d'un bâtiment avec un travail sur l'enveloppe, qui était ce qui, selon moi, caractérisait la reconversion. Mais je voulais aussi dire que dans réhabilitation, il y avait vraiment cette intervention aussi collective par rapport à le bâtiment. Il a un sens et une aussi dans, je ne sais pas comment expliquer en fait, mais disons que dans réhabilitation, il y avait aussi la question, je pense, du patrimoine territorial, de la longue durée. C'est ça aussi, c'est aussi le bâtiment dans ce qu'il représente pour le territoire. C'est aussi ça qui se transmet. C'est pas juste la question du changement de fonction qui importe. Et puis ce que j'aimais vraiment dans le mot de réhabilitation, c'était ce parallèle aussi avec la réhabilitation d'une personne qui a été mise au banc de la société, soit pour des raisons psychologiques, pour des raisons criminelles ou autres, et cette question de redonner, faire re-rentrer cette personne dans la société et faire re-rentrer ce bâtiment dans un écosystème à la fois de fonctions et d'objets, et c'est vraiment pour ça que j'ai préféré, on va dire, ce terme. Ça fait un même jeu de mots avec réhabilité. Aussi, voilà, c'était aussi de la petite raison littéraire, voilà. voilà. Ensuite, oui, la question de l'autochtonie, le capital d'autochtonie des personnes, effectivement, ça a été une question qui s'est posée sur plusieurs des projets. Et d'ailleurs, le contexte... En Ardèche, moi, j'avais beaucoup de questions par rapport justement à ce rapport avec ce collectif de 20 personnes, dont très peu vivent déjà en Ardèche, qui sont des personnes qui partagent effectivement beaucoup d'idéaux sur on va vivre ensemble, on va mutualiser, qui sont toutes des personnes qui effectivement se ressemblent, bien qu'elles ne viennent pas des mêmes endroits, mais on va dire dans les catégories socio-professionnelles et dans un grand intérêt pour l'écologie et les valeurs de communauté. Voilà, c'est des personnes qui se ressemblent, et j'étais assez curieuse d'aller voir comment se tissait le lien avec le reste. Et la réponse qui m'a été faite en partie, c'est que l'Ardèche a cette histoire un peu longue de confrontation entre les autochtones et les non-autochtones. Et que... Et,
Et on va dire que les conflits qui avaient pu exister à un moment déjà, il y avait déjà une première phase de reconnaissance dans l'autre de ce qu'il peut apporter. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où cette question elle se pose depuis longtemps. Il y a des néo-colons qui sont arrivés qui arrivent en Ardèche depuis peut-être 50 ans. Et que dans le temps, il y a déjà eu un travail qui a été amorcé. Et donc le collectif, là, il arrive dans un contexte où ces relations sont déjà un peu pacifiées, on va dire, et où il y a un grand respect à la fois des personnes qui vivent là depuis longtemps et qui disent « Ah oui, c'est vrai, ces nouvelles personnes qui arrivent, en fait, elles ont plein de bonnes idées et pensent à des choses que nous, auxquelles on n'a jamais pensé alors qu'on vit là depuis toujours. » Et à la fois, le moulinage, les personnes du moulinage, les membres du collectif de futurs habitants et travailleurs du moulinage de Chérol sont déjà dans... cherche aussi beaucoup, on va dire, la confrontation, l'intégration avec les personnes qui habitent à Chérol, qui en fait est vraiment un très petit village. Et ils tendent beaucoup la main, en fait. Et je pense que c'est ça que peut-être le projet de Cairano a beaucoup moins réussi. C'est-à-dire que la dimension appropriable, l'ouverture que j'ai identifié comme un des critères clés hein, dans ma modélisation. Là, pour le coup, il y a vraiment, on voit qu'ils y travaillent sans fonctionner avec cette modélisation et se dire il faut qu'on soit appropriable. Assez spontanément, ils ont vraiment tout de suite tendu la main, aussi eu recours à l'événementiel pour aller vraiment chercher les résidents permanents du village, si on peut dire comme ça, les autres habitants et pas être leur petit monde dans leur coin. Donc là, pour le coup, c'est vrai que ça a permis de démontrer les différences d'approche, et en tout cas la capacité assez... ce qui va faire la différence, ça va être vraiment l'ouverture dès le départ des non-autochtones qui apportent plein de bonnes idées la capacité aussi à ne pas croire qu'ils comprennent mieux que les habitants leurs véritables besoins. Parce que je pense qu'à Cairano, par exemple, ils sont arrivés avec plein de projets culturels qui leur parlaient beaucoup. Alors, les personnes qui portent les projets culturels et la programmation aujourd'hui des bâtiments réhabilités, c'est des personnes qui vivent quand même en Irpinia. Ils sont tous originaires d'Irpinia. C'est pas comme en Ardèche où c'est des gens qui sont arrivés de Paris, de Marseille, etc. Donc, on pourrait dire que c'est des personnes qui déjà comprennent le contexte et sont quand même un petit peu autochtones, ont un petit capital d'autochtonie un petit peu plus élevé. Et pourtant, ils étaient convaincus du bien fondé de leurs intentions et du bien fondé de leur projet. Mais en fait, ils n'ont jamais vraiment demandé leur avis. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est vraiment une scission entre les nouveaux et les anciens habitants. Et puis les nouveaux ne sont pas vraiment tout le temps là. Donc on comprend bien qu'eux-mêmes reconnaissent que le lieu a encore des difficultés auxquelles ils ne répondent pas. Donc ça, voilà. C'était pour revenir sur ce qui pouvait faire que l'agrégation marche ou pas. Ok, donc on va laisser la parole à l'avant-dernière intervenante. Et ensuite, vous êtes un jury, un président du jury supplémentaire, ça pourrait être un intervenant. Est-ce qu'on pourrait faire une micro-pause? Hein? Est-ce qu'on pourrait faire une micro-pause pour que j'aille aux toilettes? Tu fais une pause? Mais 2 minutes juste. Ouais, c'est bien. On va se courir un peu. Je demande juste l'autorisation aussi. Ouais, bien sûr. C'est la première fois que je suis en train de faire ça.
Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous et à toutes. Et je remercie beaucoup d'avoir été invité pour cette soutenance. En particulier, je voudrais remercier le professeur Romain Lajarge qui m'a contacté et naturellement Lucie, que j'ai eu le plaisir de connaître à Naples lors de son séjour il y a maintenant trois années, en 2017, et avec laquelle on a aussi partagé des expériences surtout sur le chemin de fer avec Aveline Roquette et sur le travail qu'on a fait tous ensemble, une grande communauté, communauté, je dirais, pour protéger ce chemin de fer qui, maintenant, c'est le premier en Italie qui a eu cette spéciale protection
niveau du ministère des Beni et des Attività Culturali. C'est donc un classement comme celui qui est naturellement prévu en France. Et donc, c'est une grande opportunité, je pense, pour l'Irpinia, avoir cette primauté d'un chemin de fer classé. Donc, je vous remercie tous et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt toutes les interventions qui m'ont précédé. Je trouve que cette thèse est vraiment très intéressante à lire, comme vous avez déjà dit. C'est un travail qui est bien écrit et qui a la mérite de mettre en comparaison deux régions, de cas assez différents, mais qui ont des parallèles possibles. Donc, ça m'a intéressé beaucoup. J'avais suivi la partie initiale du travail de Lucie, et donc je ne savais pas le bout auquel son travail serait arrivé. Et donc, j'ai vu avec plaisir les résultats et une grande rigueur méthodologique qui est claire dans toute la thèse. Et comme vous avez dit, c'est aussi très bien rapporté, relationné, pardonnez-moi mon français, je peux me tromper certaines fois, entre images et textes qui sont très bien relationnés. Et encore, je dois dire que ça m'a frappé parce que je connais assez bien la région d'Irpinia. Je ne suis pas né à Avellino, mais à Naples, mais je travaille, ça fait maintenant 15 ans à peu près, sur ces endroits. Et j'ai appris beaucoup en lisant la thèse de Lucie. Donc ça veut dire que le regard extérieur, c'est toujours une occasion de réfléchir mieux, même sur ses propres territoires. Et donc, sur ce plan, la thèse est vraiment très intéressante. Moi, j'ai naturellement eu beaucoup plus de curiosité sur le côté italien, mais j'ai lu quand même les cas français, mais j'ai eu la curiosité de voir comment Lucie avait interprété une série de phénomènes que je connaissais, quelqu'un assez bien, quelqu'un d'autre un peu moins, mais quand même desquels j'avais entendu. Et donc, ça m'a intéressé son approche qui est un peu, comment dirais-je, je ne sais pas si en français on dit à cheval, entre deux domaines de questionnement qui sont celui de l'aménagement des territoires, naturellement, et je vois que vous êtes, la plupart d'entre vous venez de ce domaine, et même celui du patrimoine et de la restauration, de la conservation du patrimoine, qui est mon domaine en particulier. Donc, c'est difficile de croiser ces deux regards, c'est toujours difficile. C'est aussi un des sujets de mes recherches, donc je connais bien cette difficulté, parce que il s'agit de deux façons de regarder le territoire assez différentes. Et donc, Lucie a eu le mérite et le courage, comme vous avez dit, d'essayer de croiser ces deux regards. Naturellement, je vois un peu plus, comment dirais-je, son regard un peu plus orienté sur le côté territorialiste, le regard des urbanistes en réfléchissant au côté italien et peut-être un peu moins sur le patrimoine bâti, sur les questions qui concernent aussi la façon de conserver, la façon de réhabiliter. Vous avez parlé beaucoup de ces termes. Vous savez qu'en Italie, naturellement, tout ça est un questionnement très, très profond sur lequel il y a un débat énorme qui est très difficile à résumer, même dans une petite bibliographie. Et donc, peut-être, ce que je peux dire, c'est un peu le point un peu plus faible de la thèse, mais je le dis tout simplement pour honnêteté et pas modifiant mon jugement très positif sur la thèse, c'est peut-être le bilan que Lucie fait sur les questionnements de conservation du patrimoine, comment réhabiliter, comment conserver ça. Elle a fait un recours historique assez intéressant, mais très synthétique, peut-être réfléchir un peu plus sur ce qu'on discute sur ça dans les dernières décennies, donc pas retournant toujours à Viollet-le-Duc, Raskin, ces personnages
images-là qui sont naturellement l'histoire et qui font partie de nos cours, mais maintenant, il y a beaucoup plus sur ça. Donc, ça, c'est une partie que je souhaiterais, et je me permets de suggérer, je souhaiterais d'approfondir un peu plus, par exemple, si Lucie va penser de publier ce travail. Naturellement, c'est quelque chose de souhaitable. Donc, mais c'est difficile. Je dis ça en considérant que vraiment tenir ensemble ces deux points de vue, c'est vraiment difficile. Et Lucie a recueilli un tas de données pour exposer ses thèses. Et donc, même le recueil de données qui concerne les Roupignans est vraiment très précieux. Moi, je dois moi une des pages dans lesquelles Lucie fait un bilan de toutes les initiatives locales, des GAL, c'est-à-dire de Gruppo di Azione Locale, des communautés, et croise les initiatives privées, publiques. Ça, c'est pas facile. Moi-même, je n'avais pas aucune idée de la complexité de tout ça. J'avais participé à beaucoup de colloques en Irpinien sur le sujet du chemin de fer en particulier, mais cette complexité est difficile à exposer et à être clarifiée. Donc, je pense que même les communautés locales n'ont pas une idée de cette complexité. Elles connaissent, par exemple, ce que chaque pays, chaque village fait, mais c'est difficile de mettre tout ça en relation. Donc ça, c'est vraiment un mérite de ce travail. Je pense que ça serait intéressant même de publier quelque chose en italien, un extrait sur ça. Je vais le proposer après à Lucie, parce qu'on est en train aussi de faire un livre sur le chemin de fer. Donc je pense que ça sera vraiment intéressant d'avoir tout ça. Parce qu'une des difficultés qu'on a vues quand on a classé le chemin de fer, c'est d'essayer de faire une politique, comment dirais-je, de réseau, politique commune entre un tas de différentes administrations locales qui, normalement, en Irpinien, ont la tendance à raisonner tout simplement avec un esprit de clocher, on peut dire comme ça aussi en français, je pense, donc, qui est vraiment très, très limitant et qui est en contraste avec tout le développement au niveau européen des communautés d'action, des GAL, ce qu'en italien appelle les GAL, les groupes d'action locales, qui sont actifs, mais pas toujours se croisent entre eux. Donc, ça, c'est, je pense aussi, vraiment l'espoir futur pour que ce territoire de l'Irpinia puisse avoir le développement qu'il mérite. Je dois dire, en tant que Napolitain, en tant que citoyen de la campagne, que l'Irpinia, c'est vraiment un trésor de notre région. Donc, c'est un endroit difficile. Donc, j'apprécie le travail que Lucie a fait, parce que sûrement, c'est un endroit difficile, surtout pour des aspects climatiques, des aspects logistiques. Mais quand même, je dois dire, et ça me fait plaisir de le dire aux amis, aux collègues français, que c'est un endroit précieux dans une région qui a des problèmes, mais pas beaucoup de problèmes dans l'Irpinia. L'Irpinia, c'est un des lieux où la criminalité c'est plus baisse en rapport à des autres endroits de la Campanie. C'est sûrement un des endroits plus verts de la région. C'est un lieu où le paysage, la culture, tout ce qui concerne l'agriculture, l'énogastronomie est vraiment très, très en avance. Donc, c'est un endroit qui peut effectivement, comme cette thèse démontre, avoir l'occasion de sortir des limites régionales et même nationales. Et donc, je suis vraiment très honoré en tant qu'Italien, en tant que Napolitain, de voir qu'un sujet comme l'Irpinia est maintenant en discussion dans votre prestigieuse université. Donc, ça c'est pour moi vraiment un plaisir et un honneur. Donc, vraiment, vraiment, c'est mon jugement, c'est très positif, sauf pour les choses que j'ai dit. Une autre petite chose que je pourrais ajouter, c'est sur le terme communita, parce que vous avez parlé beaucoup de ça, et moi j'ai vu que Lucie a introduit le terme dès les premières pages de sa thèse. Peut-être sur ça,
On pourrait réfléchir encore un peu plus parce que Lucie, c'est très bien, parce qu'elle a cité Adrien Olivetti, naturellement, dans la présentation, le rôle de ce mot dans le débat italien de la reconstruction après la guerre, dans les espoirs politiques qui ont marqué vraiment le débat italien des années 50. Donc, c'est une page vraiment très, très intéressante sur laquelle il y a une grande bibliographie, même dans le domaine de l'architecture. Et donc, sur ça, je pense qu'on pourrait dire quelque chose de plus. Parce que c'est vrai que Alberto Magnaghi utilise le mot comme Lucie met en évidence, mais lui-même est formé, peut-être en quelque façon même inconsciente dans tout ce grand domaine des années 50, même de la revue Comunità, qui, comme vous savez, a été une revue qui était imprimée par Olivetti lui-même et qui a vraiment recueilli un tas de réflexions intéressantes. Donc ça c'est une autre petite suggestion que je pourrais donner à Lucie. Finalement, j'ai quelques questions maintenant auxquelles j'espère qu'elle pourra répondre pour conclure mon intervention. Et j'ai préparé trois petites questions sur lesquelles je voudrais entendre son opinion. La première, c'est relativement au problème du patrimoine bâti et en quelle façon le classement, les lois, la protection, ce qu'on appelle en Italie les vincoli. Donc, Lucie connaît très bien ce terme. Aujourd'hui, on l'utilise pas beaucoup. Heureusement, on préfère parler d'interesse culturel, comme le code du patrimoine clarifie. Mais c'est une sorte de mot mythique, vincoli, entre architectes. Donc, comment tout ce qui concerne la protection, joue un rôle dans ces processus de réhabilitation. Ça n'émerge pas toujours dans l'exposition de la thèse. Naturellement, sur ça, entre Italie et France, il y a des différences. Il y a des passages intéressants dans lesquels Lucie met en évidence, par exemple, la différence entre la loi Malraux et le système italien qui a fatigué beaucoup pour arriver à une vision urbaine du patrimoine. Ça a été toujours un des grands problèmes italiens sur la loi de protection du patrimoine culturel. Mais quand même, aujourd'hui, il y a dans nos territoires une grande quantité de classements, de protection. Donc, sur ça serait intéressant de comprendre si ça gêne, si ça aide, si ça, en quelque façon, peut créer des complexités avec ces actions locales. Naturellement, Lucie montre très bien comment, après la reconstruction, après le tremblement de terre, qui maintenant fait 40 ans exact, c'est le 23 novembre 1980, les pays d'Irpigne ont été, en quelques cas, vraiment comment dirais-je, martyrisé par une reconstruction assez discutable aujourd'hui, assez discutable aujourd'hui parce que on a même détruit pire que le tremblement de terre. Donc, et ça, elle raconte ça assez bien. Donc, il y a 40 ans, il n'y avait pas de protection pour ces petits villages, pour ces centres historiques. Maintenant, les choses ont beaucoup changé. Donc, c'est sur ça qu'il faudrait réfléchir si ces actions de réhabilitation sont en quelque façon soutenu ou limité par ces normes, ces lois, etc. La deuxième question, c'est sur le présent. Comment on peut mesurer
le succès de ces actions, ces stratégies, je pense à l'IRPIGN, lors du temps après votre analyse, après l'analyse que vous avez faite avec les indicateurs, les diagrammes qui sont assez clairs, mais le succès, comment dirais-je, dans le moment où ces patrimoines sont gérés, effectivement, c'est possible de mesurer tout ça et de donner une actualisation de ça. Ça m'a frappé faire, pendant que je lisais dans ces semaines la thèse, faire quelques essais de liens sur Internet, de sites Internet, sur, par exemple sur Castelvetter et sur d'autres cas que Lucie a montré très bien. Castelvetter, ça m'a frappé maintenant, le site est fermé. Donc, l'albergo diffuso, j'avais envie d'y aller en lisant le texte de Lucie. Maintenant, on ne comprend pas si peut-être pour le Covid, ça peut être naturellement, pour la pandémie, le site est complètement fermé. Donc, même comprendre, je dirais en italien, la tenuta, c'est-à-dire la capacité de tenir ces projets, ces processus sur le temps, ça serait intéressant. Et enfin, la dernière question, naturellement, c'est une question à laquelle je tiens beaucoup, c'est relative au chemin de fer avec les roquettes, qui, en fait, c'est vraiment, si on voit le plan de l'IRPIGN, c'est une voie transversale dans l'IRPIGN qui lie, c'est incroyable, mais elle lie les quatre cas que Lucie a sélectionnés. Donc, ils sont liés par ces 120 km du chemin de fer qui maintenant a connu, Lucie l'a vu avec ses yeux, une grande attention de la population, même en dehors de l'IRPIGN. La pandémie n'a pas arrêté complètement ce processus. Sûrement, les trains touristiques sont un peu réduits, mais ils ne sont pas complètement fermés. Comment ce chemin de fer, et c'est mon souhait, c'est mon espoir, pourrait constituer une sorte d'infrastructure de connexion touristique et de développement de ces communautés, en quelque façon séparées que l'IRPIGN a, pour des raisons même historiques et géographiques. Donc, ce chemin de fer pourrait effectivement devenir un peu le... je ne sais pas dire en français, c'est le tessuto connettivo, je ne sais pas si vous comprenez, de ce territoire. Ça, c'est une question que je pense qu'elle y a réfléchi pendant qu'elle était ici à Naples, et donc j'aimerais avoir son opinion sur ça. Je vous remercie et je rajoute encore une fois mes compliments pour ce travail et mes remerciements à tous, aux rapporteurs, aux directeurs de thèse pour avoir stimulé un travail comme celui-là. Merci. À moi. Merci beaucoup pour vos commentaires. Alors, je vais reprendre les questions dans l'ordre. Alors, est-ce que les classements, les normes autour du patrimoine, elles aident ou au contraire, elles sont un obstacle au projet de réhabilitation et dans une perspective de développement territorial? Moi, je pense que ma thèse n'y répond pas trop parce qu'effectivement, il y a peu de classements sur tous les projets que j'ai étudiés, il y a très très peu de classements, à part dans un cas très spécifique dans les Hautes-Alpes où effectivement l'abbaye de Clausen est classée monument historique. Et je dirais que dans ce cas-là, c'est plutôt une aide pour l'action parce que, comme vous l'avez très bien dit, effectivement, on se rend bien compte que si après le séisme de 1980, il y avait eu un peu plus de protection sur les centres historiques, peut-être que ce qui a été fait n'aurait pas pu avoir lieu. Et donc, on ne peut pas se dire que c'est un obstacle, que les normes sont un obstacle à la conservation et à la valorisation des patrimoines. Mais il ne faut pas, encore une fois, que les,
il faut pas que les normes elles enferment quoi. Je pense que les normes dans tous les cas elles évoluent et que de plus en plus c'est effectivement les périmètres et autres évoluent de manière à ce que ça puisse s'intégrer du projet et que ça puisse, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Vincent Lachambre pour Villeurbanne. Donc dans cette perspective là, je pense qu'effectivement les classements ou l'étiquette d'intérêt culturel qu'on peut mettre sur certains bâtiments, elle va empêcher que n'importe quoi soit fait. Et puis parfois, ça peut effectivement être le déclencheur pour se poser la question justement du patrimoine, là où peut-être certains en verraient que des intérêts privés et des intérêts économiques. Donc je dirais que ça aide quand même, que ça peut aider. Mais à condition que ce ne soit pas des normes trop enfermantes, bien sûr. Alors, comment mesurer le succès des stratégies et de ces projets? Alors, juste, l'Albergo Diffuso n'est pas fermé, vous pouvez y aller. bien sûr, merci. Par exemple, l'Albergo Diffuso, c'est un projet qui effectivement a eu du mal à avoir cette continuité d'action après le projet, peut-être parce que c'est encore un projet qui finalement, étant donné qu'il a été on va dire, mis en route à la fin des années 2000, etc., il a été encore effectué avec, dans l'optique de d'abord réhabiliter, d'abord sauver le bâtiment avant de penser vraiment à ce qui allait être fait après. Donc effectivement, il y a des personnes qui ensuite, il y a eu un mariage heureux entre une dynamique collective qui voulait impulser de nouveaux hébergements touristiques et qui a trouvé en l'Albergo Diffuso l'endroit de réaliser ce projet. Donc on va dire qu'il y a eu cette chance-là qu'après la réhabilitation, qui n'avait pas vraiment orienté, enfin on savait qu'on voulait faire des hébergements touristiques, mais ça restait quand même très très large. Donc effectivement, il y a eu la chance d'avoir un collectif qui s'occupe du bâtiment, mais la difficulté de se connecter à d'autres démarches et d'ouvrir à d'autres collectifs et à d'autres démarches fait que le projet reste très très fragile, parce que les personnes qui sont sur place, elles font du mieux qu'elles peuvent pour faire connaître le bâtiment, mais il y a l'absence d'une stratégie touristique au niveau provincial et au niveau régional. On va dire que les politiques régionales et du tourisme, elles existent, mais elles incluent peu l'Irpinien, qui reste un frein quand même, un gros frein pour l'Albergo Diffuso et je dirais pour l'ensemble des projets quand même. Cette difficulté à trouver un relais institutionnel, un relais plus haut qui donnera cette ouverture vraiment vers les territoires voisins, vers une reconnaissance nationale, c'est quand même un point qui reste vraiment une difficulté qui persiste et dont les personnes qui s'engagent sur le terrain, bah, finalement, elles n'ont pas vraiment moyen d'action pour combattre ce problème. Elles peuvent faire les collectifs d'habitants, tous ces groupes dont j'ai parlé qui s'impliquent, toutes ces dynamiques collectives, elles font beaucoup, mais elles restent de toute façon limitées par l'absence de quelque chose d'un petit peu top-down. En fait, finalement, on critique souvent le fait que les stratégies soient trop descendantes et qu'il faut plus d'ascendants. Là, il y a beaucoup d'ascendants, mais si ça ne trouve pas d'accroche à un moment donné un peu plus haut, le cas de l'Irpinia montre bien que ça crée un blocage et que ça n'empêche pas, ça ne permet pas donc à tous ces projets de véritablement avoir un impact. Après, c'est peut-être encore tôt pour voir l'impact de ces choses-là. Je pense qu'il faut aussi laisser le temps. Le tourisme, faut le temps que ça se mette en place, par exemple. Je parle du tourisme, ça pourrait être autre chose. Donc, mesurer le succès de ces initiatives est compliqué et peut-être encore un peu tôt. Est-ce que je peux intervenir juste un moment pour vous remercier pour cette réponse, parce que je suis absolument d'accord avec vous sur le point que certaines fois il faudrait quelques actions top-down dans ce cas comme vous venez de le dire, parce que en fait l'Irpinia c'est vraiment une grande chance, un grand enjeu, une grande occasion, mais qui la région Cavalli n'a pas encore compris du tout.
comment dirais-je, la potentialité, si je peux dire en cette façon, de cette région. Si les Rapinières pouvaient être en Lombardie, hein, par exemple, peut-être que en ce moment-là, les choses seraient assez différentes. Mais c'est assez triste que ces initiatives locales n'ont pas encore obtenu une visibilité, comment dirais-je, une visibilité régionale et une stratégie touristique qui en campagne a la tendance toujours à privilégier les îles, la côte amalfitaine, Capri, Ischia, etc. Et donc pas à comprendre que c'est très important pour soutenir un bon développement régional et même touristique mettre en évidence même cette partie de la région. Donc, vous avez répondu parfaitement à ce que je m'attendais. Donc, pardon pour l'intervention. Non, il n'y a pas de problème. Merci. Et voilà, pour continuer sur ce que disiez, je pense que l'exemple du chemin de fer que vous avez apporté, pour moi, c'est une des dynamiques, et je pense que je l'ai écrit dans le manuscrit, qui c'est une des rares occasions où justement on a les institutions qui vraiment ont réussi à construire quelque chose avec beaucoup d'actions locales, avec l'université qui a été beaucoup impliquée. Donc je pense que c'est un des exemples qui est vraiment à suivre. Et c'est pour ça aussi que je dis parfois qu'il faut attendre un petit peu les résultats, parce que je pense que ce qui a été fait en moins de 5 ans autour de ce... Alors évidemment, c'est des processus qui voilà, vous y travaillez depuis longtemps, et les locomotives et ce genre d'association est présente depuis longtemps. Mais on va dire que depuis 5 ans, il y a quand même eu vraiment une accélération de ce projet. Moi, je le vois parce que la première fois que je suis allée en Épinal, c'était en 2014, et du coup, je peux un petit peu mesurer aussi l'accélération des choses qu'il y a eu en 5-6 ans. Et je pense que voilà, c'est une dynamique qui va être porteuse de choses, de nouveautés, qui va peut-être justement, peut-être que par l'entrée du train, la région Campanie va arriver à saisir un peu plus de toutes les choses qu'il y a justement autour du train. Et c'est une des rares dynamiques qui associe vraiment institutions, habitants, entreprises, privées, publiques, etc. Donc, qui peut être encourageante. Après, voilà, une grande question, savoir comment le chemin de fer pourrait être la base de plus de connexions en Irpinia, c'est une grande question, effectivement. Je ne pense pas vraiment pouvoir y répondre comme ça. Et si je le savais, ce serait bien. Je pourrais vous aider de manière efficace, mais bon. Donc, voilà, mais je pense qu'effectivement, c'est aussi le côté matériel de la ligne qui lie effectivement physiquement ces villages. Et c'est là que la dimension, le lien entre la dimension matérielle et relationnelle va... je ne sais pas s'il va être déterminant, mais en tout cas, puisque cette ligne elle connecte matériellement tous ces villages, il y a peut-être effectivement une carte à jouer pour que relationnellement ça lie aussi ces villages et que ça leur permette d'aller au-delà de l'esprit de clocher qui persiste effectivement. Je peux vous dire, tout simplement, je vous remercie, qu'il y a du travail pour les architectes, parce que en fait, un des grands problèmes de la ligne, c'est l'absence de gare digne de ce nom, parce que les gares et les arrêts de la ligne ont été détruites par le tremblement de terre et par les conséquences du tremblement de terre de 1990. Et donc, maintenant, une des occasions, même pour les architectes, c'est de reprojeter tout ça. Et donc, il y a peut-être un deuxième épisode que vous pourrez étudier si ça marchera dans les prochaines années. Parce que la région voudrait mettre de l'argent pour ça, et donc c'est un des sujets sur lesquels on discute dans cette période. Donc on espère que ça pourra reconnecter, même avec des actions d'architecture, les territoires. Merci. Voilà, je vais terminer. C'est trop difficile du président du jury de terminer. Je veux dire quand même qu'il y a des questions à poser, des interrogations, qui veulent entendre, je suis répondre à ces interrogations.
J'espère donc que tu ne vas pas trop fatiguer. Alors, là, je voudrais te dire d'abord une première chose, c'est que nous sommes arrivés pendant un mois dans ce laboratoire au même moment et soutiennent vos premiers doctorants, donc Lucie, bientôt Hugo Guillet, qui va soutenir le 27 novembre, il y en a eu d'autres avant. Enfin, donc, c'est un moment assez heureux pour nous de voir qu'on a investi dans une école d'architecture et qu'on a réussi à continuer à. La vague de progression des doctorants dans l'école d'architecture en France qui n'était pas gagnée au niveau national. Donc ça, c'est un premier élément de satisfaction. Pour cela, je vais dire des points. La deuxième chose, ça a été déjà dit, moi je veux revenir là-dessus, c'est un travail de qualité. C'est un travail de qualité d'abord formel. On a beaucoup insisté sur la qualité de mon écriture, je m'associe assez à cela, mais aussi il y a un vrai travail d'illustration qui est particulièrement intéressant. Les photos, les dessins, les schémas, les graphiques sont particulièrement bien faits, c'est agréable. Et donc, la qualité rédactionnelle, je reviens un petit peu en arrière, on la trouve notamment quand tu nous fais part d'extraits de ton journal de bord. Donc, malheureusement, dans l'annexe, on aurait peut-être bien aimé qu'il soit plus dans le corps du texte. Il est particulièrement intéressant, particulièrement bien rédigé. On voit comment quelqu'un arrive dans un territoire discrètement et se faire reconnaître si j'ai une place. C'est particulièrement agréable. Donc ça, c'est les aspects formels sont importants et sont bien pris en compte de ta part. Et en plus, c'est un travail intellectuel sérieux. Hein. Moi, je salue le sérieux que tu as mis dans la qualité de la présentation du cadre théorique que tu t'es donné, à la fois l'école territorialiste italienne et ce qu'on appelle les sciences du territoire en France. Donc, il y a tout pour faire une bonne thèse. C'est une bonne thèse, c'est un travail intéressant, c'est un travail de qualité. Moi, j'ai quand même un centre d'interrogation, et ces interrogations sont liées à mon parcours. Je pense que c'est une façon de poursuivre un dialogue qui a déjà été engagé par les différents membres du jury avec toi. Donc, je vais me permettre quand même de faire des remarques. Alors, je suis assez mal placé pour interroger dans cette thèse pour trois raisons. Première raison, je ne suis pas architecte et je ne fais pas partie des sciences du territoire. Je suis un urbaniste et un planificateur. En italien. Donc, je suis exactement à l'intervalle entre les sciences du territoire, une discipline qui se vend devant, et l'architecture, qui se veut plus une discipline de l'objet construit, et pour moi, quand même, dans ta thèse, et dans beaucoup de réflexions sur le rapport entre le territoire et l'architecture, l'urbanisme est un point aveugle, un point noir. Et ta thèse fait peu référence à l'étude modélistique, or, sur le territoire, ça aurait pu apporter un certain nombre de choses. Notamment sur la relation entre le patrimoine et le territoire. J'ai écrit deux chapitres plutôt critiques sur la notion de ressources territoriales, et je continue à penser que la notion de ressources territoriales doit être largement discutée, et ça renvoie à des questions que je vais te poser par la suite. Et puis, mes références italiennes, mes amitiés intellectuelles italiennes ne sont pas l'école territorialiste, parce que je n'ai pas rentré à mon travail, mais sont d'autres gens. J'ai travaillé avec Paola Viviane et Bernardo Secchi, d'une part, j'ai travaillé avec Arnaud de Magnas sur le monde. Et donc, c'est des approches qui sont relativement différentes et je ne peux pas m'abstraire de ce que j'ai fait et de ne pas te poser des questions. Je crois que quand tu as fait ta présentation, tu as bien cité ta thèse. Pour finir, tu as dit j'ai plutôt abouti à la mise au point d'une méthode d'évaluation critique de projets de développement local que je peux répondre à la question comment les projets de l'adaptation peuvent contribuer au développement des régions. Donc c'est ça que tu as dit. Et je veux dire, c'est déjà un résultat du travail qui est important, un résultat du travail qui est de qualité, mais on peut se poser des questions. La question qu'on peut se poser avec tout le travail, c'est de savoir si des initiatives locales, aussi nombreuses soient-elles, aussi participantes, incluantes, je ne sais plus quel mot que j'ai employé, mais collectives soient-elles, ça fait du développement territorial.
Qu'est-ce que ça fait du développement territorial? Est-ce que ça suffit pour faire du territorial, avoir beaucoup d'initiatives locales? Moi, j'ai commencé ma carrière universitaire dans les années 70, c'était le moment du développement local en Bourgogne. Et je retrouve aujourd'hui un espèce de revival de ce genre de choses qui est assez étonnant. Voilà, pas dans ta classe, mais aussi globalement. Tout le monde pense que faire participer les gens sur des petites actions, c'est très important, que c'est comme ça qu'il faut faire, que c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Je n'ai pas forcément une position critique par rapport à ça, mais je m'interroge quand même pour savoir si ça, ça fait le développement territorial. Et donc, c'est un ensemble de questions que je veux te poser là-dessus. Alors d'abord, pourquoi? Parce que vous savez, le terme de développement territorial, ça a été déjà évoqué par Marc-Lessia Deliaz. La notion de développement territorial a remplacé le management du territoire. Quand on a voulu donner un contenu très économique au développement territorial, donc pourquoi avoir conservé ce mot qui quand même fait référence à une vision économique et sociale du territoire plus que morphologique, physique du territoire. Or, tu abordes cette question de dire que le territoire, c'est à la fois un espace physique et un espace social. Donc, pourquoi regarder cette notion-là pourquoi, par exemple, ne pas évoquer la question des transformations territoriales? Donc, comment un territoire physique se transforme? Après, on peut faire du développement, pas, mais il se transforme. Il y a des bâtiments qui disparaissent, il y a une voie de chemin de fer qui disparaît, qui est maintenue, etc. etc. Donc, pourquoi ce choix? La deuxième question, moi je pense que par rapport à la partie théorique, tu préfères très sérieusement la présentation de l'école territoriale de l'Issy-Tarnay. J'ai appris beaucoup de choses parce que je ne connaissais pas si bien que ça. Mais en France, on a un drôle de rapport à l'Italie. On a trois bouquins qui ont été traduits. Pierre-Louis qui cherche l'article sur Bologne. Aldo Rossi, l'architecture de la ville, et puis Magnaghi, l'architecture locale. Et on a vu arriver trois météorites italiennes qui sont tombées sur le territoire français, qui sont complètement sorties du contexte, qui sont utilisées comme des espèces de textes un peu magiques, parfois, par certains côtés, sans qu'on soit en mesure de les resituer dans une production italienne qui est beaucoup plus large que ça. Et donc, il y a plein de questions que j'évoque dans la première partie. Théorique, la partie théorique, que tu ne reprends pas par la suite. Je fais remarquer que, comme Magnaghi prend le terme de projet local, tout le monde parle de territorial, en fait, à ce moment-là. Et lui, il dit local. Donc, à ton avis, pourquoi il dit local plutôt que territorial? Et j'ajoute que cette vision localiste, il n'y a pas de critique de ma part, mais explique par exemple qu'il y a un certain nombre d'influence sur des politiques de planification territoriale en Toscane, c'est la seule région italienne où sont les communes qui approuvent leurs plans, qui décident leurs plans, qui ont une grande autonomie en matière de décision concernant leur territoire. A contrario, il y a d'autres régions qui ont plus vu une espèce d'interaction entre le niveau local et le niveau intercommunal, le niveau de la province, par exemple, qui est aujourd'hui le niveau de la cité métropolitaine. Donc il y a un choix qui a été fait à ce moment-là. Qui peut aussi expliquer que si on suit le mouvement territorialiste, on garde plutôt des projets d'initiative locale plutôt que le rapport entre top-down et bottom-up. Donc, ça, c'est une première question qui me semble importante. Il y a cette fameuse question des invariants territoriaux, qui là aussi doit être mis en relation avec le débat sur la planification territoriale en Italie. Avec le débat sur la planification paysagère, les invariants territoriaux, c'était des invariants paysagers, des grands systèmes paysagers, des grands éléments de structure paysagère qu'il fallait conserver ou sur lesquels il fallait mener des politiques de conservation, de valorisation, enfin les termes en Italie, parce que c'était important du point de vue de la transformation du territoire qui ne devait pas se faire ni en passé, il faut faire en prolongeant des tendances du passé, ou en enrichissant des tendances du passé, et aussi qui pouvait être support de développement économique. Et ça, je veux dire, ça passe un peu à la trappe. Tu ne reviens pas de
ligne sur cette question-là, par exemple. Est-ce que les bâtiments que je choisis sont des invariants du territoire, on va peut-être qu'ils disparaissent, qu'ils disparaissent pas, ça n'a pas de sens. Si c'est des invariants, c'est, si ça c'est cette force, hein, la structuration du territoire, sans doute c'est plus que des éléments d'architecture, c'est des choses qui ont un effet sur la structure même du territoire. Ça c'est l'urbanisme qui parle. C'est pour ça que je pense que la voie ferrée, ça a été très bien soumis dans la dernière intervention, est beaucoup plus important que le bâti, et je me demande pourquoi on a l'interfère en 4, mais comme les autres cas. Je voulais juste, pour terminer, revenir sur la question de la communauté. Moi, je pense qu'en tant que Français, qu'on utilise ce mot, qu'on définisse et qu'on arrête avec cette histoire communauté égale ghetto. Allons du côté des anglo-saxons qui parlent de community. Regardons aussi comment les Italiens parlent de communauté. Et ça évitera d'employer des mots collectivité, ça fait référence à la collectivité locale, c'est quand même moins bien que communauté locale, qui fait référence à quelque chose qui se passe sur un territoire, un peu des acteurs sociaux. Donc voilà, on peut faire ça. Mais, l'idée de communauté, quand même, c'est l'idée que. C'est là où je suis très critique à la notion de ressources territoriales. La notion de ressources territoriales a été inventée par des économistes, qui après ont un peu rétrocédé à des géographes, il y a un certain nombre de choses qui sont faites autour, mais c'est comme si un territoire n'était que des ressources, que des opportunités, que des possibilités. On oublie complètement la dimension structurelle du territoire et du point. Moi, ça me pose vraiment question quand je dis que les ressources territoriales sont renouvelables à l'infini. Quelque part, je sais qu'ils m'ont écrit, ils m'ont fait cœur, ils font des choses, et c'est ça qui pose problème. Il n'y a aucune prise en compte des structures de la société locale, des structures du territoire physique. Or, il y a d'autres travaux sur le développement local en Italie. Je pense par exemple aux travaux de Damias ou de Frigine, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Spilou, qui insiste sur cette dualité en ce qui relève des structures, donc, ce qui relève de l'inertie et ce qui relève des possibilités de transformation, ce qu'il appelle des facteurs potentiels, capacité des acteurs à faire bouger les choses. Et si on n'est que dans les ressources, on n'est plus du côté des acteurs, on pense que tout est possible. Or, tout n'est pas possible. Je le prends vraiment. Et ça renvoie aussi à la question de la communauté, ce qu'ont montré les gens qui ont travaillé sur le développement local en Italie, c'est que ça s'est beaucoup basé sur des structures sociales préexistantes, liées au monde rural, liées à un certain monde rural, mais disons plus loin que ça, et que le capital social qui était derrière cette organisation communautaire a disparu. Il s'est érodé, pas bien ce qu'on dit, c'est érodé. Il faut le recréer. Ce qui se faisait naturellement ne se fait plus naturellement. Et donc, il faut réfléchir aux dispositifs qui permettent de le faire. Peut-être que ces collectifs sont un des dispositifs qui permettent de le faire, mais à condition qu'on resitue les initiatives locales dans un contexte plus structurel, ce qui manque quand même un peu dans ta thèse, et c'est ton parti pris. Moi, ce qui manque de mon côté, c'est ce qui fait structure dans cette région de la compagnie, les caractéristiques culturelles qui fait qu'on pourrait comprendre si des initiatives locales vont avoir un effet sur le développement, sur la transformation du territoire ou pas. Sans cette référence-là, on n'a pas. Et comme en plus, tu as pris un contre-point de vue qui est celui d'expérience très localisée, qui ne réfère pas au contexte territorial français, ça pose un peu de problème. Donc, moi, je pense, je répète, ta thèse est très intéressante et passionnante, mais on voit ses limites, et ses limites, à mon avis, elles sont principalement là. Moi, je pense que ça vaudrait la peine de poursuivre le travail, je ne sais plus à quoi, de poursuivre le travail dans cette direction-là. Parce que, à mon avis, et c'est aussi la question de. Ça renvoie aussi à la question de la stratégie territoriale. Hein. Une stratégie territoriale, c'est une somme d'actions, où est-ce que c'est choisir un ensemble de choses. Choisir des. Il y a des gens qui disent que des lieux où ça fait système, ça fait structure, où ça permet de faire bouger le reste, des effets d'entraînement. Voilà, donc,
ça, c'est un peu des. Je pense que c'est de repasser un peu les choses dans un débat un peu plus large. C'était difficile parce que l'État parle italien. Je sais bien que tu parles italien, mais après, pour accéder à la littérature, on est dans les différentes écrits d'architecture italienne pour le faire. Je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin. Et tu aurais pu passer de ce que tu dis à un excellent prix d'évaluation des projets, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est bien rentré ça, une analyse des effets de ces projets sur les transformations territoriales ou sur le développement économique, on peut prendre les deux dimensions. Voilà. Donc je fais ces réflexions en ayant conscience que je suis un peu à l'extérieur d'un certain nombre d'éléments de débat que tu t'es donné. Que tu puisses continuer à réfléchir parce que tu as toutes les qualités pour aller plus loin dans la recherche territoriale ou d'urbanisme pour l'architecture. Okay, merci beaucoup pour ces remarques. Effectivement, ça permet d'offrir un point de vue un peu différent que, par rapport voilà, aux références que moi j'ai effectivement citées. Et voilà, du coup, je pense pouvoir apporter très peu d'éléments là tout de suite de réponse à tout ce que tu as dit parce que voilà, ça fait réfléchir beaucoup de choses, mais non, je pense pas que les initiatives non locales, aussi nombreuses soient-elles, bon, la question était un peu rhétorique, je pense, mais voilà, les initiatives locales, aussi nombreuses soient-elles, ne suffisent pas, je pense, pour faire du développement territorial. Et je pense que, moi, à mon avis, ça rejoint, enfin, je pense, voilà, j'aurais peut-être pas grand-chose de plus à dire, mais ça rejoint l'idée que s'il n'y a pas, à un moment donné, une institution ou quelque chose d'un petit peu au-dessus pour justement choisir, hiérarchiser, organiser toutes ces initiatives locales et leur donner un sens, une visibilité selon voilà, des partis pris qu'une région peut prendre par rapport à une autre. Effectivement, pour moi, c'est très difficile, je pense, de créer du développement, des retombées, qu'elles soient, voilà, en particulier, ce sont des retombées économiques et sociales. Pourquoi garder le terme de développement territorial pour ne pas fâcher mon directeur de thèse, non. Non, effectivement, je me rends compte avec les différents commentaires que j'ai eus et différents, aussi les avis des deux rapporteurs que j'ai peu questionné en fait, finalement cette question de développement qui a une forte dimension, dimension économique, qu'on le veuille ou non. Et effectivement, pour moi, derrière le développement territorial, j'ai mis beaucoup plus des questions aussi de transformation culturelle, du rapport à l'action, la recherche d'habitabilité, etc. Et c'est plus bon, voilà, pour moi je mettais ça derrière le terme, mais effectivement le mot développement et le mot territorial associé ne l'évoque pas pas forcément très précisément. Donc voilà, enfin, en tout cas c'est vrai que ça me questionne, je peux pas répondre là tout de suite. Pour le livre mais oui, ouais, je réfléchirai. Oui, non, je réfléchissais si j'avais autre chose à ajouter, mais moi, je pourrais pas vraiment répondre, je pense, dans l'immédiat. Ok. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter par rapport à l'ensemble de la soutenance, ou est-ce que tu penses que tu as dit ce que tu voulais dire? Non, je n'ai rien à ajouter. Je pense bon, que c'est ouais. Est-ce que vous avez des éléments que vous voulez dans l'intervenir ou... Non. Non, mais merci. Le débat, c'était très intéressant. Et... très approfondi, donc je n'ai pas moins de choses en plus à dire.
J'espère d'avoir l'opportunité de se rencontrer en proximité pour débattre ensemble, parce que cette modalité, c'est vraiment terrible. Mais on peut faire autrement. Donc, j'espère sincèrement d'avoir des autres opportunités pour échanger. OK. Alors, là, juste une petite chose, parce que Lucie va commencer une carrière auparavant dans la fonction publique ou de communauté territoriale, si j'ai bien compris, ou quelque chose de ce genre. C'est sortir, c'est vraiment un conseil, de cet inexorable développement fait par l'éthroïsme. Et ça, je l'ai dit vraiment sincèrement, parce que cela, c'était la catastrophe vis-à-vis de la question patrimoniale dans des pays dans lesquels ils ont vu le patrimoine comme quelque chose lié au développement. Et on a vu les ruines que cela a produit. Et le développement ne peut pas être lié à cela. Le développement local, c'est quelque chose qui est pour la communauté, et non pas pour les exogènes. D'abord, c'est la communauté, et par la suite, c'est les exogènes. Et ça, c'est vraiment, je te conseille à réfléchir sur ça, sur qu'est-ce que veut dire à avoir des projets qui sont pour des communautés locales, mais qui ne sont pas vers le tourisme. C'est-à-dire que l'accroissement se peut faire pour une économie locale qui n'est pas forcément liée au tourisme. Parce que ça met des communautés locales face à des désastres comme on a en cette période, dans lesquels on ne peut pas fonctionner parce qu'on ne bouge pas. Et donc, les économies locales doivent aller, au moins, si on a compris quelque chose de cette pandémie, aller un peu au-delà, exclusivement du simple tourisme. Parce qu'autrement, un pays comme l'Italie s'effondre d'une manière très rapide. Voilà. Pardonnez-moi, mais ça, j'ai dit tout à l'heure. Je vais pas se poursuivre. Non, très bien. Je vais juste répondre à ça. Effectivement, j'ai pas relevé ça dans vos questions, mais c'était un point sur lequel j'avais aussi envie de revenir. C'est vrai que dans ma thèse, j'ai peu remis en question cette équation linéaire, comme vous avez écrit, entre patrimoine, tourisme et développement. Je l'ai pas, on va dire que j'ai pas critiqué cette chose-là ouvertement, parce qu'en fait, quelque part, c'est une idée qui, je pense, entre nous, entre chercheurs, j'ai envie de dire, c'est une idée qui fait son chemin, et on en est tous à peu près convaincus que le tourisme va pas, porte aussi plein de conséquences négatives et n'est pas le Graal, la solution miracle pour générer du développement. En revanche, sur le terrain, j'ai trouvé l'idée encore très très répandue, et je me suis pas forcément et je me suis mis en retrait personnellement en me disant bon, si ces personnes-là jugent que c'est ok et que c'est la solution à suivre, alors je peux pas, je me voyais pas leur dire vous avez tort clairement, mais en effet, je pense que derrière la notion de redondance, c'est vraiment aussi le message que j'avais envie de porter au moment des résultats, c'est-à-dire que faire en sorte que ces patrimoines-là, ils soient l'objet de projets multiples, parce que si on compte que sur le tourisme, ça ne tient pas. Et le cas de l'albergo diffuse dont j'ai parlé avant l'illustre parfaitement. Et donc voilà, moi personnellement, je suis d'accord avec vous sur ce point. Et effectivement, déjà, c'est pas parce qu'on a du patrimoine qu'on va réussir à faire venir des touristes, et c'est pas parce qu'on fait du tourisme qu'on va créer du développement territorial, et au contraire, il y a une forme d'idéalisation du tourisme qui est encore assez répandue chez les acteurs que j'ai rencontrés, et je n'ai pas remis beaucoup en question, parce que je me disais que ce n'était pas nécessairement mon rôle, mais dans ma pratique professionnelle, j'essaierai effectivement de, de porter ce message un peu plus loin. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions respectives. Merci.
peut-être aussi que de ce point de vue-là, tu aurais intérêt à, comme tu l'as dit dans l'intervention qui m'a précédé, à creuser cette question du patrimoine, même si tu as fait un vrai effort théorique, mais je trouve que dans l'application pratique de la théorie, il y a des choses à faire. Alors, réfléchir, par exemple, au terme réhabilitation, comme tu l'as fait, mais aussi requalification, ou restauration, ou réutilisation. Et pas répondre au bout d'un moment sur l'un ou l'autre, mais voir peut-être l'intérêt des uns des autres. Je trouve que c'est un peu dommage que toute une série de questions sur le patrimoine, qui sont des questions actuelles. Hein. Par exemple, en Italie, il y a aussi un défaut que je vois, peut-être pas un autre, mais je travaille avec des étudiants sur la réalité. La possible réhabilitation de bâtiments, c'était autour d'un château baroque, etc. Il y a des gens qui disent, Berlin, c'est bien. Il vaut mieux que ça s'écroule, qu'on fasse quelque chose qui ne serait pas tout à fait bien. Il y a aussi cette approche-là du patrimoine, donc il y a, je trouve qu'il y a plein de réflexions en marche sur ces questions. Et avoir un petit patrimonial, ce n'est pas forcément conservé. Ça peut conserver une partie, conserver tout. Je trouve que ça vient, puisque je vais travailler dans une agence de RAC, mais dans cette direction. Ok, c'est noté. Oui, encore. Moi, j'ai seulement une petite observation sur la considération sur le tourisme. Je pense que le mérite de la thèse, c'est de mettre bien en évidence comment le développement soit de façon territorialisée. Il ne peut pas avoir lieu sans la mobilisation des acteurs locaux. Donc, je pense que je suis totalement d'accord sur les risques du tourisme, que c'est un mouvement souvent exogène au territoire. Mais je pense que l'approche de Lucie, c'est très intéressant sous ce point de vue, parce qu'il montre comme l'endogénéité du processus, c'est en partie une garantie que le processus ne se passe pas hétérodirect, que peut-être peut s'engendrer à partir de la projectualité active des acteurs locaux, qui souvent ils ne sont pas seulement liés au tourisme, mais ils sont liés au tourisme comme sous-produit disons, des autres activités, comme par exemple la culture agricole, la culture de production locaux, mais comme dans le cas des carbonara, à des projets en innovant liés à le recouvrement des traditions manufacturières, comme ils sont très diffusés dans beaucoup d'endroits du sud de l'Italie. Je connais des cas en Calabrie où la manufacture de haut niveau a été recouvrée par des gens, des habitants de l'arrière pays, surtout des femmes. Et donc, je pense qu'il y a un mouvement qui n'est pas ciblé à la recouvrement seulement orienté au tourisme, mais qui va à combiner plusieurs activités pour une forme de développement plus durable, c'est-à-dire plus liée à la dimension endogène de la culture, du savoir-faire, de la capacité, de la tradition de tout lieu. Donc c'est très intéressant parce que c'est une comparaison, c'est une approche très différente, par exemple, une approche qui s'est proposée de façon très positive, je pense, en Italie, avec la stratégie pour les aires des intérieurs de l'Italie promotée par Fabrizio Vacca, par exemple. Que c'est très intéressant, mais c'est seulement ciblé à la reconstruction des services, justement, comme condition préliminaire. Mais je pense qu'il ne suffit pas pour réactiver et réhabiliter ce lieu, mais il a besoin aussi des processus que Lucie a étudiés dans sa thèse. Ok.
Bon, mais je pense que peut-être qu'on peut vous demander de quitter la salle, de façon plus délibérée.